au micro, au micro. Bonsoir, changement d'ambiance direct, boum, sans pression, pas d'introduction, salut la confrérie. Confrérie. Ah, la confrérie. Ah les gars, j'ai plus du jus de pomme. Je saute du cul là. Merde, j'ai pas dire ça, j'en stream. Ah merde, mauvaise habitude. Mais vas-y, go go. Tout se passe dans le calme. Sergent Digan peut revenir au quartier général. On vous attend, général. Non, du tout. Bon, on faudra qu'on voit ça plus tard. Très bien. D'accord, il a son matraque là, son radio et tout. Oui, ça c'est bon. C'est tout beau. C'est parfait. Les deux meilleurs recrues, sergent. Ouais. Affirmatif. D'accord. Je l'espère en tout cas, général. Oh, et sergent, je rêve d'un nouveau prise d'otage. Je vais mettre Jean-Louis là, ça va finir en bain de sang, j'adore. Allez, c'est parti. Hein. Oui, c'est parti. Papa, j'essaierai de négocier de mieux, hein. Là, j'en suis persuadé, hein. Alors, pensez à votre ceinture, recrue, hein. Ah bah, toujours, hein. Eh, j'ai une augmentation de salaire, là. C'est combien, les gars? Ça fait combien, ça? Ça serait dommage d'avoir un accident, quand même. 200 dollars de l'heure, là. De les 15 minutes, là. Et c'est parti, là. Eh ben dis donc, si on m'avait dit que j'allais servir général dès le début, hein, j'y aurais pas cru. Il faut pas s'habituer, bordel, hein, c'est exceptionnel, hein. Très bien beau, général. Enfin, général tout court. Ben, c'est général tout court, tu sais pourquoi? Oui, parce que vous êtes une femme. Je suis navré, hein, c'est vrai. Déjà tout à l'heure, j'ai dit mon sergent alors qu'il faut pas, hein, je sais pas, c'est un tic de langage, hein. Ah, je gagne 800 dollars de l'heure, c'est bien ça, non? Reçu premier d'heure en parlant de jus de pomme ce matin, j'étais en stage à Auchan Drive et j'ai un client qui m'a commandé 10 bouteilles de jus de pomme aujourd'hui. D'accord, ça marche, hein. On bat les couilles, frère. Ça marche, Karl, merci beaucoup. Ah, c'est vrai, faut aller voir les médecins. Ah, mais niais, tout à l'heure, le gouverneur. Encore un planning change. Pardon. Bah, c'est vrai. On fait quoi? Je disais encore un planning chargé. On va voir le gouverneur d'abord, on va voir les journalistes là. On va voir les journalistes. Comme d'abord. Vous voulez, mais je. Oui, comme vous voulez. Hein. Et Jean-Louis, visiblement, les deux ont l'air de Jean-Louis, tu devrais questionner recrue là, l'autre recrue, hein. Je devrais lui demander quoi? Ah, celui bon. Être bon milicien, pourquoi rejoindre ouais, le milice, sûr, familiarise-toi un peu avec lui, non? Ben, bien sûr, bien sûr. Bon, bah, tu viens d'où déjà? Pourquoi tu es venu à Manziba? Eh ben, je viens du Pérou et on m'a dit que sur Manzibar, il y avait moult richesses, hein. Et j'ai une tendance fâcheuse à aimer ça, hein. Du coup, comme disait mon père, hein, si tu veux être riche, le plus souvent, il faut servir la patrie la plus riche, hein. Et du coup, je suis venu sur Manzibar. Je me suis dit que le meilleur moyen de servir notre président, c'est d'intégrer la milice, hein. Ben, c'est vrai, regarde nos belles autoroutes, là. Tu as vu ça? Ça, c'est vraiment beau, propre et tout, hein. Autoroute comme ça, jamais ailleurs, hein. Elle est vraiment splendide, cette autoroute, hein. Même si elle m'a valu un enlèvement, quand même. C'est vrai. Je t'ai fait enlever. Et... Et j'étais en route pour venir passer un entretien à la milice et je sais pas pourquoi, mon téléphone... Et du coup, mon téléphone commençait à faire bip-bip, je me suis arrêté sur le bas-côté pour regarder ce que c'était. Et là, il y a une moto qui s'est arrêtée vers moi et ben, on a fait un petit tour ensemble, hein. C'est vrai. C'était une très bonne première soirée sur Manzibar, hein. Bah, c'est belle entrée en matière, hein. Ça met l'ambiance directe, hein. Ça fait deux jours que tu es ici. Ah ben, du coup, oui, c'est ma deuxième journée, hein. On va dire que j'ai passé la meilleure première journée qu'on pouvait passer, hein. Oh mon Dieu, donc tu es déjà militaire, c'est magnifique, ça, hein. Tu as compris ce qu'il fallait faire. Ah bah exactement, hein, j'ai compris ce qui était le plus important, hein, servir sa patrie. Oui, bien sûr, hein. Mais bon, tu sais que pour faire richesse, il faut les gemmes d'or, là. Et ça, c'est oui. Pour être mineux. Oui, on m'a expliqué, hein, on m'a dit que la mine était fermée. J'ai dit, ben, c'est pas grave, hein, je veux quand même servir ma patrie, hein. Oui, bien sûr, la mine est ouverte, hein. Ah oui, mais ils m'ont dit qu'ils recrutaient pas pour le moment. Bah, c'est peut-être vrai, ça. Bon, ils sont beaucoup déjà, hein.
Ben, alors, parce que Shane, il tire les gens le dimanche, donc il faut se présenter le dimanche, en gros. Ah oui. Ah bah, c'est pas de chance. Non, c'est pas de chance, mais si, c'est le chance, au contraire, c'est... Oui. Du coup, je suis à la mini, c'est encore mieux. Exactement. Bah, exactement. Allons voir, c'est tout car. Salut, viewer qui est arrivé sur le stream, bonsoir à vous, comment allez-vous, mes Punzer? Dans ma traque. Et pourquoi donc? Bon, parce que je dois toujours sortir dans ma traque pour être prêt. C'est vrai? On parle pas avant de taper? Oui, bien sûr, faut toujours avoir la matraque. D'accord, très bien. Bah, tu parles avant de taper, mais tu sors le matraque d'abord. Toujours la matraque d'abord, d'accord, très bien. Ces journalistes de merde. Bon, ils sont pas là? Je vais les appeler d'abord. Bon, est-ce que tu sais aussi qu'il y a du vaudou ici? Comment tu as dit? Du vaudou. Du vaudou? Comment c'est du vaudou? Oui, bien sûr. Hein. Pourquoi tu fais du vaudou, toi? Non, pas moi, hein, mais moi je sais qu'il y a beaucoup de vaudou ici. C'est vous faites attention. De oui, vous faites attention, hein, sinon les gens ils vont te vaudouiser. Bon, on m'a toujours dit qu'il y a beaucoup de vaudou. Hein. Oui, pas aussi, peut-être. Hein. Mais je ne les ai pas vus. Mais en tout cas, le vaudou, il y en a beaucoup. Là-bas, là, il y a une. Vous faites attention. Mais bordel, y'a personne qui répond dans ce truc là. Le dos est devant l'église et tout ça là, eux ils sont bizarres. Oui, bien sûr. Oui, bah, bien sûr, mais peu importe. Hein. Là, ici, c'est une église. Oui, il y a une église, elle est bizarre. Va pas là-bas. Bon, si tu vas aussi au magasin d'habits là, faut faire attention. Hein. Mais quel bon de bon à rien, bordel. Tout le soir, bah, j'essaie de les rejoindre. Mais bon, sachez aussi qu'il faut pas aller. Et y'a plein de monde sergent là-bas là, on va leur rappeler le journée du général. Ah, c'est une bonne idée ça, oui. Ah mon dieu, la journée du général. Tiens, d'ailleurs, eux là. Qui? Eh. Privet. Bonjour. C'est la journée du général aujourd'hui, vous savez. Vas-y pour t'arrêter. Oui. Ah oui. J'ai pas grand chose dans mes poches, mais je vais vous donner... Pardon. Une moitié. Moitié carrément. Yep. C'est vraiment pas grand chose, hein. Je suis très déçu. C'est la journée de la ristourne. C'est que j'ai pas d'autre grand chose non plus. Que tu pourrais retirer ta main d'ici, allez, s'il te plaît. Vas-y. Si votre homme est content, allez voir le gouverneur. Hein. $20, c'est tout. Je vais m'acheter quoi ici? $20, c'est un coton-tige à Manzibar. Je suis désolé, général. Bon, allez. Vous êtes sûr que vous savez pas autre chose pour y aller travailler là. Vous allez travailler plus dur. Oui, j'ai cru entendre que la prise d'otage était terminée. Elle est bien terminée la prise d'otage? Ah oui, je vous confirme, ça fait un moment. Oui, est-ce que vous pouvez me dire les otages qui sont venus? Il y avait un certain monsieur Yvon dedans? Pas du tout, c'était une femme de la ferme. Ah d'accord, ok, très bien, merci. Ah, c'est pas la même prise d'otage. Oula. Ah merde, y'a déjà le colonel, y'a du racketter tout le bordel. Ah, on va donner de l'argent à général. Avec oh, Privet. Général Zirgava Grigorovitch, hein. Tenez votre main, ma petite dame. Ah merde, je peux plus ouvrir mes poches. Merde. Mais il se tire, gardez les docteurs, ramenez docteur. Ah merde. Comme général. J'ai ouvert mon coffre, je peux plus ouvrir mes poches. Bah, c'est surtout ton gueule que tu ouvres beaucoup, hein. Donne-moi tes dollars, gros porc. Ah oui, je peux pas. Faut que j'aille faire Je suis sûr que vous êtes compréhensible. Général, c'est bon, on nous a dit que vous vouliez nous parler. C'est vrai, c'est le journée de général. J'attends vos dollars. Problème. Vous voulez combien? Vous pouvez donner de l'argent à trop, parce que moi, ce que vous voulez. J'arrive plus à ouvrir mes poches. Alors, attendez, je regarde. Ah, j'ai ouais, parce c'est que j'ai ouvert mon coffre, du coup, je peux plus ouvrir mes d'ailleurs, poches. D'ailleurs, si ce journée vous déplaît, n'hésitez pas à aller voir le gouverneur. Je viens de faire la même chose, j'ai ouvert mes poches mais du coffre du coup. Bah ouais, du coup je peux plus ouvrir mes poches non plus à cause du coffre. Bah écartez-vous, allez plus loin, revenez, ouvrez vos esprits, j'en sais rien moi. Général? Faites le nécessaire, messieurs. Je vais juste retirer parce que $34, je doute que ce soit intéressant pour vous. Bah c'est médiocre, minable. Donc je vais juste retirer. Bonjour général. Bah je vous attends, hein, dépêchez-vous d'arrêt. Fuite vite avant qu'elle s'impatiente, hein. Si je peux me permettre, voici. Le fond de mes poches, c'est tout ce que j'ai. Pardon. Ça me fait plaisir.
C'est ma journée préférée le mercredi. Adressez-vous à la générale. C'est vrai pourquoi? Comment? Bah parce que j'espérais vous croiser pour vous faire plaisir. D'accord, je c'est vrai. Si vous c'est peut-être le seul moyen que tu aurais de me faire plaisir. En face dehors. Non, pas ah bon? Bon, pour moi ça va. Vous n'aurez pas d'ennui là avec vos employés traîtres de milice là? Ah, ça dépend. Ça, c'est Elisabeth et c'est ça. Et alors figurez-vous. Ah, vous avez recruté Parker. Moi je parle juste de l'autre là. Oh, je sais pas, il y a que des ex-miliciens chez nous, général, j'ai l'impression. Ils viennent tous chez nous. C'est un véritable décharge, votre entreprise. Hein. Nos déchets vont chez vous. C'est vrai, on essaie de les réhabiliter. Hein. Elisabeth Parker et son ami Sword, c'est ça, tenaient des propos incohérents quand on les a recrutés. Hein. Alors, pardon. Oui. Elles étaient un peu bizarres. Donc on est en train de voir, on fait un suivi psychologique avec le professeur Bizarre. Et une psychologue, Daniel. On est en train de voir un petit peu ce qui se passe. On a l'impression qu'elles ont un syndrome post-traumatique. C'est vrai. Oui. Voilà. Très étrange, hein. Ouais, on entend des choses, des accusations. Enfin, on comprend pas trop. Elle délire un petit peu. Oui, non, mais je veux dire. Des accusations vers qui? Oh, je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas trop compris. Moi, vous savez, moi, je gère l'événementiel. Je gère pas les histoires entre la milice et les ex-miliciens, etc. C'est vrai, tout ça, vous avez rejoint un service médical, je sais pas trop quoi là. Un programme. Bah, c'est pas moi, général. Il a confondu avec. Avec non, voilà, général. Oui, général. À part de là. Tenez, oui, bien sûr. Prêt à vous donner de l'argent. Attendez, je vais juste m'écarter du coffre. Ah, et d'ailleurs, si vous êtes mécontent de ce nouveau loi, n'hésitez pas à aller voir le gouverneur. Hein. Ah non, pas bah à moi. Non, pas toi. Bon bah je vais vous donner la donne des deux. Oui, général, je me suis. Mais t'en pas le général, hein. Sinon, attention à toi. Non, je donne les deux. Ma langue a fourché, c'était Madame Barreau. J'ai donné et toutes Parker. Les économies que j'ai sur mon compte. D'accord, d'accord. Ah, t'es gentil, Kate. Pas de problème avec la mini. Je sais que vous avez un peu de mal à donner votre argent, mais quand même. Alors, d'accord, merci. Tenez, général, hein. Tenez, Daniel, très bien. Bon, approchez-vous, s'il vous plaît. Bah, et vous, là c'est une... ouais, j'étais pour médecin. Approchez-vous. Je vais vous donner une belle somme parce que vous le méritez. C'est vrai, ça. C'est quoi, une belle somme pour vous, là? 300 balles. J'ai juste de quoi m'acheter un coton-tige hein, sur cette île, hein. Merci beaucoup. Ah, hein. Ouais. Bah, c'est déjà ça. Bah, c'est je suis laveur de vitre. Hein. C'est vrai, ça. Allez, on y va. Bon, très bien. En général, il y en a un qui au bout de parler, ouais, il est parti se réfugier à l'intérieur. Hein. Le général, tout court. Ah bon? Oui, tu veux toucher, c'est pour plaisir des yeux, je crois. Oui, moi, qu'est-ce? Privet. Où il y a la couleur? Bonsoir, général, comment ça va? Bonsoir. Bah, je viens visiter alors, hein. Votre nouveau gérant. De saucisses sorties. Exactement, bah oui, bah... Allez, bouche tes fesses. Merci. Et de lait. Ça va vous sinon? Malheureusement. Allez, on y va. Ah, mais je me passe bien. On peut se parler quelque part. Oui, bien sûr. C'est la journée du général. Peut-être que vous auriez quelques dollars. C'est parfait. Moi? Une bonne soirée. Bonne soirée et bon appétit. Tous les citoyens peuvent payer général et colonel aujourd'hui. C'est le loi du gouverneur. Alors, si je vous donne tout ce que j'ai sur moi, je vais vous donner 1 dollar. Malheureusement. Bah, je vais payer pour allez, d'accord, très bien. Vous demandez à mon futur mari, y a pas de souci. Je vais payer pour lui, d'accord. Bien sûr. Vous voulez qu'on discute sur la salle? Bah pourquoi pas? Bah c'est moi qui ai fermé. Bah je vous invite dans mon bureau. Regardez. En même temps, je vous fais la petite présentation des liens. Donc bon, là-bas, on a les toilettes, elles sont pas très propres, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Et puis il y a quelqu'un qui avait la chiasse, alors vous savez, c'est compliqué. Là, on a des petites pièces pour les petites danses privées. Bah je suis déjà venu, l'ancien patron m'a fait danse privée. Hein. Ah bon? Ah bon, oh là là. Et vous, bon, vous moi, êtes nouveau patron, vous allez me faire danse? Bah c'est pas trop le genre de la maison, puis vous savez, je vais me marier bientôt, vous savez. Ah, donc après, si vraiment, voilà, mais du coup, ici, les vestiaires et puis le bureau. Alors oui, déjà, commençons par le commencement. Bonne fête, hein, bonne journée. J'ai un petit cadeau pour vous, général. À j'ai hâte de voir ça. Hein. De 1000 dollars, hein. Tenez. C'est avec plaisir que je vous donne tout cet argent. C'est un très bon c'est cadeau, votre hein. journée. Voilà. Du coup, oui, vous vouliez me parler. Alors, pour pas que les gens attendent dessus, il faut chuchoter. Là, je parle tout bas. Là, je veux savoir un petit peu comment s'est passé du coup le passation d'entreprise. Parlez-moi un petit peu de vous là. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à obtenir, à acquérir ce bien là? Eh ben, moi, ce qui m'intéresse d'abord, je vais couper ma radio, excusez-moi. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est le business.
Moi, je suis un homme de business, c'est-à-dire que quand je suis trop à l'aise quelque part, il faut que je parte sur autre chose. Il faut que... Moi, j'aime bien repartir tout le temps de zéro, tout le temps sur un truc nouveau, et le pousser à son paroxysme, et puis partir sur autre chose et laisser le truc à son paroxysme, peut-être être toujours bien avec quelqu'un d'autre et tout. Là, c'est un peu ce qui se passe avec le camionnaire. Vous faites pareil avec le femme. Peut-être, c'est vrai que, alors oui, mais cette dernière femme accidentellement décédée pourrait en témoigner, et c'est possible. Mais enfin, le Mécanibar étant devenu une entreprise prospère, je trouve, voilà, je m'ennuie là-bas. Alors, je fais un peu de comptant là-bas, puis je suis venu bosser ici. J'ai repris ce house et je compte en faire un lieu de référence à Paléto, qui écrase toute concurrence, bien évidemment, en proposant différents services. On propose déjà l'achat et revente de véhicules. On propose un vos Mécanibar, mais ça m'a suivi, donc c'est ici. Et la location également de véhicules, voilà, qui pourrait intéresser n'importe qui. On va faire également des soirées très, très régulières. Hein, enfin, tous les soirs ou un soir sur deux, on verra. Et une soirée rendez-vous chaque semaine avec souvent un thème et tout, on verra. Voilà, dès qu'on se sera lancé. Et puis, ben, la journée, à manger, à boire pour tout le monde. Voilà un peu les objectifs de l'entreprise, bien évidemment. D'accord. Et tu dis que toi, ton ambition, peut-être, c'est d'être le référence du bar, restaurant, danse, tout ça, dans l'île, hein ? Bien évidemment, oui. Tu n'es pas sans savoir que tu as forte concurrence avec le Yellow Jack. Ah, si, je suis sans savoir. Je suis sans savoir que j'ai forte concurrence. Ah, ça, moi, pour moi, il n'y a pas concurrence. À l'heure actuelle, ils brassent encore un peu d'argent, mais selon moi, ils vont s'écraser face à ma puissance business. D'accord, parce que eux, je les ai croisés tout à l'heure, justement, le Bruno, là, tu sais, le comptoir man, non? Oui, oui, oui. Da, il me disait, le patron Otto, il se repose, il a beaucoup travaillé en ce moment, mais du coup, moi, le pauvre Bruno, je suis co-patron, mais j'ai du mal à ouvrir les cassiers, les coffres, les trucs et tout, des vrais fragiles. Hein. Da, c'est ça. Et il m'a dit, il m'a susurré, il m'a dit, apparemment... tu as dit à tes employés du nightclub ainsi que ceux du Mécanibar que s'ils voulaient faire fête ou manger, ils devaient venir tout le temps au nightclub, hein. Plus du tout Yellow Jack. Hein. Moi j'ai dit ça à qui, pardon ? Aux employés du Mécanibar et du nightclub. J'ai même pas eu besoin, hein. C'est assez naturel, tout le monde m'a dit qu'ils viendraient plus qu'ici. Donc j'ai dit, bon, faites-vous plaisir, de toute façon nous on a remanié la carte, on propose trois menus. Le menu un peu de pauvre, le menu moyen et le menu Didine, respectivement, le menu de Clodo, le menu moyen et le menu de riche, alias le menu Didine. Ah d'accord, voilà. Et toi tu es riche? Riche. Tu me donnes que 1 000 $? Alors oui, en ce moment, pardon, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est compliqué ou tu es riche, je comprends pas, hein. Le truc, c'est que j'ai une réputation de richou, alors que je suis pas vraiment riche, donc je joue un peu là-dessus. Tout le monde croit que je bête dans le narcotrafic, sauf que c'est faux, mais bon, du coup, j'ai juste cette image du le grand Didine, le fric, le perse, la drogue, le baron, mais bon, en vérité, il n'en est rien. Moi, je fais juste des bonnes saucisses, c'est la saucisse de Didine, voilà. Mais c'est très bonne nouvelle, parce que moi, je trouve que cet établissement-là fait meilleure figure que le Yellow Jack, là. Le truc, c'est un truc pour... pour tocard du désert, pour vraiment clochard. Et, oui. Et vous savez ce qui manquait au Hellhouse? Un bon patron. Un patron exactement, avec des idées, bien un d'accord. De business. Voilà. Ah, parce que avant toi, là, il n'y avait que couilles molles, bandes mous, des trucs de merde, là, des tocards, vraiment. Qui manquait de motivation et tout. C'est vrai. Moi, ça. Je suis là, je vais faire bouger le truc. Je vous le dis, hein, je vais faire bouger le truc. Là, déjà, super. On va mettre plein de trucs en place. Enfin, voilà. Est-ce que je vous offre la saucisse de Didine? Ça dépend, c'est quoi ce truc là? Je croyais que tu allais te marier. Écoutez, moi je vous parle du plat. Cela dit, voilà, je peux vous offrir le plat, la saucisse de Didier, c'est la spécialité du chef. C'est quoi ce truc? Et puis moi j'ai fait vœu de chasteté, je peux pas faire du sexe avant mon mariage. Mais j'ai plus de place, enfin, voilà. Moi je suis un putain de réfrigérateur là, j'ai trop de trucs. Ah bon? Vous me payez saucisse du chef? Pardon, je paye rien du tout, hein. C'est toi qui payes, tu es riche. Ah bon, ah bon. Non, bah si vous étiez réfrigérateur. Ah bon, c'est pas grave. Si vous voulez, la prochaine fois que vous passez et que vous avez besoin, je vous fais de saucisses du chef avec amour et préparées dans des meilleures conditions.
Et ce sera vraiment la saucisse, quoi. Bah, très bien. Ça pourrait m'intéresser, hein, pourquoi pas. Mais super, par contre... moi je veux que tu écrases le concurrence avec le Yuzak. Bien sûr, bien sûr, c'est comme ça que marche le business. Moi si j'écrase pas la concurrence, moi je gagne pas de titre. Moi je veux gagner de l'argent, je suis un business pas ça, un businessman d'aventure. Prosternez-vous devant nous. Ah, le son est trop fort. Voilà. Vous aviez des questions peut-être générales? N'y a pas de questions, mais je repasserai plus tard. Hein. Ça marche, bah, je vous raccompagne. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, merci bah, Kim bah, Capi, soyez témoin. Tyrannosaure sexuel, merci beaucoup pour ton don. Mais enfin, c'est pas encore sur le tas, mais voilà. Tu as mon numéro? Non, j'ai pas. Mais c'est vrai que ça m'arrangerait de l'avoir. Je prends note. General Zergavna Grigorovitch. Merci Kim Capi pour t'aider avec la réduction des subs. Merci beaucoup. 196-93-65. Ok, super, c'est noté. Donne-moi ton numéro. Bah, je vais vous envoyer un message, ce sera simple. Tac, tac, tac. Niet, je veux le numéro. Ah, c'est bon, vous l'avez? Bon, je veux le numéro. C'est... Ah, pardon, 277-56-57. Et c'est Didin, le businessman, alias le pseudo-narcotrafiquant, alias le beau gosse. Ah, tu es pseudo-narcotrafiquant, comme tu dis, tu exploites au maximum sa réputation pour te donner peut-être plus de crédit, du street cred, hein, pour attirer toutes sortes de loubards ici. Exactement, hein. Exactement. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on a des graffitis et tout, c'est pour attirer tous les loubards. Tu sais c'est quoi mon réputation, mis à part l'impitoyabilité du général? Apparemment, moi, il paraîtrait selon certains que je suis chef d'un secte cannibale. Ça fait peur, ça. Oh, mon dieu, mais ça fait peur. Imagine si c'était vrai, hein. À ta place, j'aurais peur pour ton saucisse, hein. Allez, passe bonjour, Néan. Après, sinon, on propose des baguettes. Oui, super. Bonne journée, général. Merci bonne encore, Kim Capi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 100 euros, c'est énorme. Merci à toi. Et t'es rendu dit ces bordel. Je vais rallumer mon radio là. Ah, il est resté accroché dans la voiture. Quand on est dans la voiture, on peut plus ouvrir son inventaire, c'est nouveau ça. Mais c'est pas plus mal en vrai. Hein. Allez, c'est parti. Général, il parlait d'un camion sur un champ de cocaïne à la radio. Et il demandait de l'aide pour le camion, c'est la patrouille de moto qui demande ça. Et c'est toujours d'actualité là, sergent? Bah, ça. Oui, ça oui, ils viennent juste d'en parler là. Bah, dites que notre patrouille s'y dirige, hein. Pour l'unité sur le champ de cocaïne, la patrouille du général est disponible en arrière. Reçu, on vous attend. Ils sont en reconnaissance, ils ne les sont pas repérés, hein, demande. Pour précision, nous sommes pas sur le champ cocaïne, nous sommes en hauteur, on observe. Ah, voilà, parfait. Ça, c'est bon, brigade de reconnaissance. C'est bien reçu. On m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de cerveaux, mais en fin de compte, il y en a quand même dans la milice. Bah, il n'y a qu'un cerveau, le reste, ils obéissent. Hein. Mais au fur et à mesure, ils obéissent de mieux en mieux, tu comprends? Ah oui, c'est de l'obéissance, très bien. Bah, très bien, bah oui, c'est obéissance, c'est mercenaire ici, hein. Ah oui, hein, je comprends mieux comment ça fonctionne. On retourne patrouille sur Palais. Ah, il se barre là? Non, c'est pour les mêmes, je crois. Par ici, hein, c'est ça, hein, sergent? Il me semble que oui, ça. Je vais éteindre les phares là. Encore de. Patrouille de la générale, on approche, situation. Le camion est toujours caché sur zone, mais on voit rien qui est suffisamment planqué dans des buissons. Mais il y a juste un camion ou il y a un petit bordel? Vous ne voyez plus personne sur le champ? Ah, en fait, quand on est arrivé, ils sont peut-être inquiéteurs, donc on n'a plus personne, mais il y a un camion qui est planqué dessus. Où est la position du camion, bordel? La position du camion, on est sur le champ, là. C'est
compliqué à vous expliquer comme ça, je vais descendre avec, avec la patrouille moto. Mais c'est vraiment un gros merde. Nord, est, ouest du champ, dis-lui, là, on gueule ce trou du cul, bordel. Direction nord-est, ouest. Et nous, on reste là, en plein milieu, là. Il est planqué derrière les sapins qui sont à côté. Pas du coup. Les sapins du nord, on est au nord. Y'a rien du tout ici, bordel. Soukap, y'a des incapables. Oui, y'a quelqu'un qui court, qui est descendu de la montagne. Il s'enfuit par le fleuve. Mais quelle bande de bois, rien, j'en peux plus. Mais non, sud, est, ouest, quelle direction? Au sud, au sud de votre position. Au sud, d'accord, par le fleuve. Il a pas d'autres informations là? Maintenant j'essaye de regarder moi, mais je vois rien pour l'instant. Bah délire radio là, demande information, il va vers l'ouest ou l'est? Vous là, le voyez dans toujours, le fleuve. Est ou ouest? Négatif, j'ai pas de visuel dessus. Mais c'est des bons aériens, sergent, je vais les rétrograder tous autant qu'ils sont. Ils savent pas utiliser un boussole. Ils nous font perdre notre temps. On débarque, ils nous donnent pas information, c'est trop tard. Et là ils ont perdu le type, il arrive pas à nous dire s'il est à contre-courant ou s'il s'est laissé emporter par la rivière. De l'autre côté, il y a une moto sur le chemin. Mais c'est eux, ils donnent aucune information, demandez-leur. Et c'est vous qui patrouillez de l'autre côté de la rivière, là, par rapport au champ? Oui, c'est... Vous nous donnez aucune information exploitable, on est venu exprès, vous êtes des bons à rien, je vous rétrogladez, je vous le dis, bordel. Vous me retrouvez, ce putain de suspect, bordel. Il est parti dans la rivière, à contre-courant ou direction ouest? Ils me répondent pas. Qui est le milicien qui a repéré le suspect de la montagne? Qui est le milicien qui a repéré le suspect dans la montagne? C'est le soldat de Castignac. Soldat de Castignac, bordel. Et contrôlez-moi ça. Soldat de Castignac de Général, vous me recevez? Привет. Soldat de Castignac de Général, est-ce que vous me recevez? Pourquoi il me répond pas là dans votre patrouille? Il est descendu, il est en train de longer le long de la rivière là, mais je sais pas pourquoi il vous répond pas, Général. Et contrôlez-moi cette carte aussi en face. À la radio quand on vous appelle, bordel. Général, je contrôle aussi les personnes sur la moto. Ah, papier d'identité là, tout de suite. Léo, il est 16h, monsieur. Va lui bouger le cul. Bon, sur ce dollar, rien à signaler. C'est le journée du général aujourd'hui, il faut me payer, hein. C'est le loi du gouverneur, d'avail. Écartez-vous du moto là, c'est un peu pratique, hein. Très bien. J'ai pas grand chose, hein. Ça, c'est pas mon problème, hein. Venez ça avec le gouverneur, si vous êtes pas content. Hein. Non, mais j'ai dit. On n'a pas besoin d'aide, on a besoin que les miliciens répondent dans le radio de merde. Se balader, on allait pas les temps. Voilà pour vous. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Tu peux y aller? Attends, elle a l'aide de partir. Privet, c'est qui ça? C'est qui ça, bordel? Souka, Bliat, tu ne réponds pas. Ah d'accord, bah il faut que je laisse aller. Je vais rester ici. Hein. Espèce de bois rien, t'es bois rien, t'es Souka, toi. Hein. Ah, j'ai pas de problème, du tout. J'ai pas du tout de bois rien. Après... Ah, j'ai pas de problème. Tu as payé, voilà, allez, tu as payé général pour la journée du général? Net, je vais payer général. Ah, super. Bon, écartez-vous, s'il vous plaît, madame. Faut pas que ça... Bien sûr, je m'écarte. Bon, mais pas trop, hein. Pas trop, mais j'ai... Ah, là, j'ai des problèmes avec mes poches. Pardon? J'ai des problèmes avec mes poches. Il a plus son porte-monnaie, j'ai... Là, j'ai plus rien. Éloigne-toi un peu de ton moto, hein, puis donne-moi l'argent. Oui, hein. Qu'est-ce qu'on va faire, les gens? Voilà, tu te repars sur radio, là. Oui, désolé, j'ai un petit problème de corde vocale. Elle revient immédiatement là, soldat Castagnac, là, tu reviens tout de suite là.
Attends, je te... Carlos, rejoins la position où on était. Alors, on te parle dans le radio, tu n'entends rien. Bon, ça, admettons, tu as problème, d'accord ? Pas de soucis. Oui. Bon, tu veux quoi, ta bordel ? Tu m'as déjà payé, mais là, tu veux quoi ? Mais je vous paye pour le mon flamme. D'accord, bah, d'avail, dépêchez-vous, je n'ai pas de que ça attendez, à faire. Attendez, la moto, elle me dérange. Je suis très pressé, là, j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, je comprends, hein, c'est le travail de général. Hein. Bah, exactement. Tenez, j'ai plus rien. D'accord, allez, va faire la manche ailleurs, hein. Très bien. Je peux y aller ? Bah écoute-moi bordel. Oui. On peut y aller, monsieur. Tu me dis dans le radio que tu avais un suspect sur le champ. Attends, je viens. Tu ne donnes aucune information de direction. On ne sait pas si c'est au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Après tu dis qu'il est près de la rivière, mais tu nous dis pas s'il va à l'est ou à l'ouest. On peut rien faire. Tu es soldat, tu ne sais même pas te servir d'un putain de boussole. À cause de toi, il y a 6 miliciens là qui ont perdu leur temps et tu as été incapable de donner information. Alors on fait comment maintenant, bordel ? Je ne sais pas, général. Bah je ne sais pas non plus. Depuis quand tu es soldat, toi ? Je viens juste d'être promu. Aujourd'hui ? C'est incroyable, hein ? Donc il est parti où, le suspect, bordel ? Bah j'essaie de le retrouver, mais apparemment, il est parti dans les bois, il s'est caché dans un buisson peut-être et... Mais ça ne veut rien dire. Tu l'as vu sortir. Donne information. Il était où sur le champ au nord ? J'ai vu sortir. Il y a à peine plus bas. Du coup, je l'ai suivi avec la moto. Plus bas de quoi ? Ça veut rien dire. Tu es militaire. C'est nord, sud, est, ouest. J'ai vu sortir du coup devant nous, donc à peu près au nord de juste devant nous. J'ai vu remonter du coup là sur la montagne. Ça veut rien dire au nord devant nous. Je te demande par rapport au champ. Je peux pas vous expliquer plus, je... Pardon. Du coup, là il est parti du coup juste là-bas. Et puis après je l'ai perdu de vue. Mais juste là-bas, c'est où ? Au sud, au nord, à l'est ou l'ouest ? Tu sais pas si ça va être boussole, c'est ça que tu es en train de me dire. Du coup là il était au sud, il y avait un petit passage au sud. Au sud de quoi ? Au sud de la rivière. D'accord, mais il a traversé du coup la rivière, donc il était où avant, bordel ? Il était du coup sur la position du champ de coca. Il est descendu par la montagne qui était au sud du champ de coca. Il a descendu la montagne à pied. Ah d'accord, il parce est, que vous étiez situé au sud. Vous étiez situé au sud en fait pour voir le champ, d'accord ? Oui, on était au sud, oui. Mais pourquoi vous le dites pas en radio ? Mais parce que je pensais que ma patron motorisé l'avait dit. Mais tu pensais que, bordel, c'est à vous de communiquer. Nous on est arrivé sur place, vous nous dites qu'il y a un camion. Vous avez été incapable de nous dire où était le camion, c'est normal ça ? Non, mon général. C'est général tout court. Alors là, tu vas à la radio, là, tu m'appelles tout ton patrouille de merde. Je vais les voir tout de suite, là. Soldat Nicolas, patrouille motorisée, venez à la position où je vous dis, s'il vous plaît. J'en peux plus. Aïe 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 aïe. Sans se chier là. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. C'est vrai, privet, c'est la journée du général aujourd'hui, hein. Oui, c'est ce qu'on m'a informé, donc bonjour général, je suis nouveau en ville. Et on m'a du coup dit de me présenter à vous, je m'appelle monsieur Logan Walker. Bah qu'est-ce que vous faites en pleine forêt? J'étais avec mon ami qui était en moto, on devait aller... je sais pas d'ailleurs. Mais il va sûrement vous le dire, puisqu'il est parti faire une sieste pour pouvoir vous donner un petit quelque chose de ce que j'ai compris pour votre journée. D'accord, et toi tu donnes quelque chose ou pas ? Ah ben j'ai rien sur moi. Bah alors tu es en position d'illégalité, c'est la loi du gouverneur, hein ? Ah ouais, mais c'est parce que je viens d'arriver, général. Bah tu vas nettoyer mon voiture, là. Dépêche-toi. Allez. Alors il va me falloir le chiffon. Et recrute Jean-Louis, là, tu lui expliques pour nettoyer votre voiture. Bon, ben si. Ben si. Veuillez me rejoindre à la position que je vous ai donnée, s'il vous plaît. T'as une moto ? Oui, on a une moto. Venez, s'il vous plaît. Mais je comprends pas, tu as donné l'ordre il y a 5 minutes, ils sont toujours pas là. Je vais récupérer Curtis parce que sa moto est tombée de la montagne. Du coup, il faudrait donner une patrouille à la patrouille motorisée parce qu'il y a Curtis qui est tombé de la montagne. Bah, la moto de Curtis est tombée de la montagne. Et alors ?
Il est où Curtis? Il est tombé avec le moto ou pas? C'est quoi ces informations de merde? On sait rien, vous parlez mais on sait rien, on comprend rien. Dites-moi des informations plus claires, s'il vous plaît. Le soldat Curtis a fait une chute de la montagne avec sa moto, donc là il est à pied, on attend une patrouille pour venir le récupérer. Eh bah allez le récupérer vous-même, vous êtes patrouille motorisée. Alors on peut pas le faire monter avec nous sur une moto, on a qu'une seule place sur la moto. Patrouille Romanov, j'ai eu soldat Curtis au téléphone, on va le chercher. Da, et soldat Leclerc, vous allez venir immédiatement en position du soldat Castagnac là. On arrive tout de suite, général. N'importe quoi là. Sergent, venez voir. Et venez voir, sergent. Attendez. Là, c'est vous qui avez besoin de faire un sieste alors, hein? Ouais. Mais je reconnais cette sale tronche de merde. Merci, ouais. Toujours un plaisir. Là, toujours un plaisir. Donc, du alors, coup, c'est comme la journée quoi, il paraît que vous traficotez pour combattre le gouvernement. Hein? Pardon? Bah, c'est le nouveau rumeur, ce jour. Qui traficote? Bah, vous là. Comment ça, nous? Bah, toi, ton nom, la truc, Miller, je sais pas trop quoi, la Milligan, notre truc là. Ah, vous saviez très bien mon nom, mais bon, c'est pas grave. Mais je me rappelle plus, ça ne m'a pas marqué. Ouais, faites style. Mais non, mais c'est quoi le délire? Comment ça je. Mais délire, c'est qu'aujourd'hui, c'est journée générale, il me faut des dollars. Ouais, d'accord, j'ai que 70 dollars, donc ça bah, tant pis, donnez-les-moi. Ah, super. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à voir le gouverneur, hein, c'est le loi. Hein. Tu n'as pas vu le loi du gouverneur? Ah non, mais c'est bien une loi de merde. Hein. Ah bah tu devrais lui dire. Ah ouais, se plaindre. N'est pas moi qui décide des lois. Hein. Ah oui, bah ça, c'est dommage. Hein. Peut-être un jour. Bon, ça vaut combien comme ça, monsieur Jean-Louis? Je l'entends super fort, oui, monsieur. Et du coup, bon, t'es venu pour aider ton ami à nettoyer mon voiture? Non. Mais vous savez, je suis pas très fort dans le ménage, moi, en général. Bon, tu as 70 dollars, tu vas nettoyer la voiture maintenant. Hein. Allez, bon, hop. Attendez, ouais, je parle avec votre général. Oui, mais bon, il faut aller maintenant. Pas allez, besoin on y pas va. Besoin de. Bon, il faut. On va nettoyer. Tu vois l'autre côté. Tu vois, général. Da. Tu vas nettoyer encore mieux que lui. Allez. Eh, viens voir avec ton patrouille. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Bah oui, vous avez 70 dollars. C'est pour qui ça, 70 dollars? Bon. Même moi, je m'en vais. Bon, je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie de vous réprimander devant les deux civils de merde, mais je vous parle suffisamment fort pour que vous m'entendez tous, bordel. Quand vous faites des appels radio, vous dites tiens, voiture sur le champ, ça veut dire quoi ça? Y a pas de nord, y a pas de sud, y a pas d'est, y a pas d'ouest, on est au courant de rien. Vous donnez même pas votre position. Nous, on débarque, on a aucune information. On est venu, on risque nos vies, on est en première ligne là. Et qu'est-ce qu'on trouve? Rien du tout. Et on vous demande, il est où le camion? Et il n'y a pas un seul d'entre vous qui est capable de nous dire qu'il est au sud du champ. C'est trop dur pour vous d'utiliser boussole. Vous êtes des putains de soldats, bordel, vous savez même pas dire une boussole. C'est normal? Non, général, ce n'est pas normal. Et après, il y a l'autre abouti, là, de Castagna, qui dit, ah, le mec, il file du montagne. Quelle montagne? Quelle direction? Rien, aucune information, que dalle. Et après, on lui dit, d'accord, il a traversé le rivière. On lui dit, à l'est ou à l'ouest? À contre-courant ou dans le courant? Parce qu'il est trop bête pour utiliser boussole. Il a été promu soldat aujourd'hui, il ne sait pas utiliser boussole. Donc, je lui dis, à contre-courant ou dans le courant? Histoire déjà qu'il comprenne. Niet, aucune information, que dalle. Personne ne peut dire un truc. Pourtant, je l'ai dit au moins trois fois, Da ou pas, soldat Leclerc? Je confirme, oui, ça a été demandé plusieurs fois dans la j'ai radio. J'ai eu des problèmes de cordes vocales, je ne suis pas aperçu automatiquement. Les cordes vocales, c'est pas dans les oreilles! Tu sais te servir autant d'un boussole que d'un livre de biologie, toi, hein? Depuis quand les cordes vocales, c'est dans le bouche, dans l'oreille, je sais pas trop quoi, mais moi c'est juste que j'ai pas entendu vos indications. D'accord, bah tu vas ralentir sur la masturbation, je te le dis, hein, parce qu'à force, tu vas devenir complètement sourd. Hein. Dites-lui, sergent, hein? Du coup, colonel, en regardant en hauteur, le camion a disparu du champ. Da, la prochaine fois que vous faites ça, c'est très. En plus, j'étais content, hein. Je l'ai dit, sergent, ils ont fait bon travail, reconnaissance et tout, nickel. Exactement ce qu'on attendait de vous, hein.
Jusque-là, c'était bien. Hein. C'était très bien, j'étais fier de vous. Je me suis dit à Leclerc que je vais pas le virer aujourd'hui. Hein. Mais après, on me dit quoi? Aucune information. Alors maintenant, je vous le demande. Il était où le camion par rapport au champ? Au sud. J'ai et pourquoi vous l'avez pas dit dès le départ? Je n'ai pas eu le temps de prendre la communication radio. Nicolas l'a faite avant moi, puis il est parti d'un coup. Il s'est retrouvé tout seul à partir avec sa moto. Ah, c'est facile ça de mettre tout sur le dos de l'autre idiot. Ah non, je ne mets pas sur son dos. Après, voilà, je suis le responsable de la patrouille. Donc, si c'est moi qui dois prendre, ben, je prendrai pour eux. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et mais c'est quoi l'autre soldat là, le femelle là Cohen. Et toi, t'as rien dit dans radio, da? C'est moi qui ai fait l'annonce de départ pour dire qu'on patrouillait à côté du champ de cocaïne. Et ensuite, après, je me suis occupé du soldat Curtis qui s'est fait voler sa moto dans une tornade. Ça c'est bon excuse, ça, d'accord. D'accord, ensuite, le suspect, il est parti où? Il venait d'où? Du coup, je n'ai pas vu d'où il venait, mais du coup, il a descendu une montagne qui était au sud du champ de cocaïne. Dur pour toi d'expliquer ça, hein. Tu as mis 15 minutes pour pouvoir nous le dire. Peut-être la pression, en général. Alors, il descend du champ de cocaïne vers le sud, ensuite. Dans le sens du courant. Il est remonté, du coup, au nord, un peu plus au nord d'ici. Vous comprenez quelque chose, vous? Il est dans le courant, mais il va vers le nord. La rivière, elle va vers l'ouest, déjà. Donc déjà, tu as un problème de boussole. Du coup, il allait vers l'ouest, il est remonté, du coup, à l'est. Donc il m'a ça vu, ne veut rien dire, il va à l'ouest et il remonte à l'est. Il remonte où? Le courant ou il va vers l'ouest? On est d'accord que ça ne veut rien dire. Dans le pire des cas, il descendait vers le pont et puis ensuite il a voulu remonter sur la montagne vers le sud, sud-est. Pour attraper la route ici au-dessus. Moi ça me fatigue, je vais te le dire direct. Hein. Moi je te rétrograde, voilà, okay. Ton grade de soldat tu ne mérites pas. Tu vas bien apprendre sûr à te servir d'un boussole. Tu reviens me voir dans les prochains jours et tu me dis: général, j'ai appris à me servir d'un boussole. On va t'interroger, si tu dis vrai, je te rends ton grade. C'est bon? Reçu. Maintenant tirez-vous, je ne vais plus vous voir. Oui général. Complètement déboussolé ce soldat. Hein. Victime, hein? Et du vaudou. Et du vaudou. Bon, c'est bon, elle est terminée, hein? Tirez-vous d'ici, on peut voir là. Attendez, général. Je suis en plaisir. Bon, il faut se dépêcher, elle a dit. Allez. Alors, ça a donné quoi la conversation avec cet ocar? Eh ben, pas grand chose, hein? Ils viennent tout simplement d'arriver, hein? C'est des menteurs, ah bah, dis-leur ça, sergent, c'est sûr, hein. Ça fait un moment que oui, à chaque fois qu'on passe dans ce coin-là, ils viennent tous d'arriver, ils ont rien vu, ils ont rien fait, ils font que se promener. Ouais. Bon, pour l'appel, le type là, en noir, ça fait un moment qu'il est là, hein, et lui il a déjà été surpris, trafiquant de méthamphétamine, cocaïne. Et après il vous dit à lui, là, lui être arrivé récemment, il se fout de votre tronche, hein. Bon bah ok, hein. C'est bon à savoir. J'étais rigolo. Moi j'ai relevé une information importante, hein. Le monsieur Volker, il fait de la magie, hein. Les gars, je lui ai dit, il revient me voir là dans la semaine en me disant j'ai appris à me servir d'une voilà boussole. C'est tout. Je lui rends son grade. C'est quand même un fair play, non? Ah oui, c'est capital ça comme information. Ah ben, bon, je me suis dit que s'il cachait des sachets de quelque chose, il serait le plus malin de tous, hein. Vous en pensez quoi, mes Punzor? Le Bandou, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais du coup, c'est le premier à être fouillé, hein? Si c'est lui qui est le plus malin. Patrouille Romanov, hein, dirige. Bonsoir, commandant, comment tu vas? Le pauvre, il a morflé. Ben, c'est normal, c'est la milice ici, hein. À cause de lui, un narcotrafiquant s'est enfui, hein. Une armée ne peut aller qu'à la vitesse de son soldat le plus lent, hein. Et sergent, tu trouves ça normal, toi, qu'un soldat ne sache pas se servir d'un boussole? Non, pas du tout. C'est pas normal. Mais bon, déjà, en tant que recrue de Castignac, c'était pas vraiment ça. Donc j'ai pas compris pourquoi il était promu, non plus. D'accord. Et toi, là, Jean-Louis, là? Il est où, Jean-Louis, bordel?
Oui, je suis là. Tu sais te servir d'un boussole, toi? Oui, bien sûr. C'est vrai? On est où par rapport au mécanibar? Bon, bah, là, on est à l'est. On est au sud-est, là, c'est pas trop mal. On est où par rapport au supérette? Bon, on est au sud, au sud de la supérette. Et toi, tu es où par rapport à tout ça, toi? Toi, à tu es à l'ouest. À l'est. Voilà ce que, voilà, non, tu es à l'ouest, toi, tu comprends jamais rien. Tu es à l'ouest, c'est ça le bon réponse, hein? Oui, bien sûr. Bon, c'était pas trop mal, hein? Deux sur toi, non? Da, c'est pas trop mal. Tu sais quoi, Jean-Louis? Tu as beau être un abruti, tu te débrouilles mieux que le soldat Castagnac, là. Merci beaucoup, c'est gentil de reconnaître ma valeur. Da, le soldat Castagnac, d'ailleurs, qui a été rétrogradé, hein? Je l'ai mis recru, là. Oh mon dieu! C'est vrai? Bah bien sûr, il sait pas se servir d'un boussole, c'est normal. Oui, mais je comprends, vous avez totalement raison. Bon. Attendez, je vais aller voir le gouverneur aussi, bordel, j'ai oublié. Et sergent, vous pouvez peut-être rappeler des journalistes pour voir? Ouais, je suis pas sûr d'avoir leur numéro par contre. Essaye de voir. Vous allez bien, mes Punzer, ou pas? Comment allez-vous, mes Punzer? Vous kiffez le roleplay ce soir? Eh bien, dis donc, les soirées en tout cas sont très mouvementées, moi j'y perds, hein? Ah, c'est ça tous les jours. Et pas que les soirées, ah, c'est hein? Merveilleux. Ah, même la journée, monsieur merveilleux, ça. Oui, la journée, il y a beaucoup de choses, hein. C'est juste le matin. J'ai pas de numéro tout de journée. D'accord. Oui, ça me semble un peu normal, hein. Enfin, je travaille tard, et je me lève tard, hein. Oui, mais moi, je suis à lève tôt. Ben, c'est pas de chance. Oui, vraiment, hein. Et elle répond pas, hein. Bon, revenez. Ouais, c'est vrai, ça vous plaît alors, tant mieux. Vous aimez le roleplay sur Manzibar? Bon, là, c'est pas mal finalement, il se passe des choses et tout, c'est stylé, hein. Ce truc là. Allez, allons à Sandy Shore. C'est pas le van tout à l'heure, là, sergent du chauffeur, du gouverneur? Ah, j'ai pas eu le temps de bien voir. Celui qu'on a eu tout à l'heure était noir mâtre avec des vides tentées. Je suis d'accord, il y a vraiment des bons joueurs RP sur le C'était pas sur le cas serveur. Pour celui-là. D'accord, donc ça c'est pas plaisir. Sûr. Vous en pensez quoi pour le gouverneur, là? Cette histoire de faire pipi et tout sur le sergent, c'est chaud quand même. Allez, en voiture! Mais on l'est déjà. Bah, c'est le colonel, il parle à son patron. Allez, que? Bah oui. C'est pas très bien. Bah, on sait jamais. Bah, s'il essaye de donner un ordre à des gens et. Ils savent pas où est-ce qu'il est, ils peuvent se poser des questions. Il est pas stupide, hein? Ah bah j'ai pas dit que c'était lui qui était stupide. Et c'est qui est stupide alors? Ah bah c'est moi. C'est bizarre, hein. Oui, c'est mieux, hein. Elle devrait essayer de faire un brin de causette, hein. Non mais c'est vrai, hein. Il peut faire un brin de causette en disant à quel point tu aimes le président. Ah bah ça, bien sûr, hein. J'adore le président, hein. Je l'admire parce qu'il a les mêmes points communs que moi, hein. Il aime l'argent, il aime réunir moult richesses en un seul point, hein. Bon, c'est toi qui as les mêmes points communs que lui, hein. Oublie pas. Ah ben, toujours. Et sergent, là, bon. J'ai presque envie de promouvoir cet abruti de Jean-Louis, là. Oh ben, c'est comme vous voulez, en général. Hein. Moi, je suis sûr qu'il le mérite, hein.
S'il arrête de creuser des unités, oui. Bon, il a creusé des unités. Non, je n'ai jamais... C'est lui qui s'est lancé sur ma roue, hein. Il a dit, hé, Jean-Louis, attends. Il a sauté. Moi, je comprends pas. Il était peut-être baudouisé. En tout cas, il a une bonne défense. C'est quoi cette histoire? Bon, parce qu'il y a beaucoup de vaudous. Vous avez pas appris que monsieur, c'est... monsieur Anne, c'est devenu monsieur Rodriguez Mendez pendant un jour? La sorcière... La sorcière... Non, là, je comprends que dalle, hein. Moi, je comprends que dalle, non plus. C'est du vaudou, c'est la magie noire. Je te l'ai dit, sergent, ça c'est bon négociateur, ça, on comprend rien, tu vois. Les terroristes, ils vont en avoir marre, ils vont rien comprendre. Oui. Eh ben là, franchement, si j'arrive à le comprendre, moi je te retire mon chapeau. Surtout que souvent ouais. L'été, les criminels, ils savent pas ce qu'ils veulent, donc là, ça va bien partir. Ah ben là, du coup... Oui, bien sûr, je peux leur donner une banane et ils seront contents. Mais bien, le colonel mérite tellement de prendre cher, mais ils sont trop protégés. Bah, moi je suis pas assez au courant. Non, c'est pas les restos du cœur ici. Préviens. Bonsoir, général. Bonsoir, général. Général Zirgavna Grigorovitch. Ah, général, bravo pour votre promotion. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est la journée de la générale aujourd'hui, vous êtes au courant? Ah non, je ne suis pas au courant. Notre cher gouverneur, bah dites-lui, sergent, dites à tous les docteurs. Oui, bah, le gouverneur a promulgué une série de lois, dont aujourd'hui, mercredi, c'est la journée soit du colonel ou de la générale. Et donc, vous êtes invité à faire une contribution matérielle à la générale. Vous devez donner des dollars à la générale. Ah, bah, je comprends. Entre le nouveau, votre nouveau grade et maintenant cette journée, je comprends, vos poches doivent être bien vides. Hein. Bah, on va les remplir. Hein. Allez, donnez quelque chose à la générale, soyez généreux là. Oh là, bah, il faut que je le sorte quelque chose alors. C'est la loi du gouverneur. Allez Marie, donne quelque chose à la générale. Montant minimum, montant maximum, madame la générale. Il n'y a pas de montant, donnez ce que vous voulez. Ok. Allez, attends, soyez généreux. Hein. Alors, j'ai hâte de voir jusqu'où s'étend la générosité de la directrice. Attendez, il faut que j'aille aux toilettes. J'ai un problème. Petit problème de vessie. Ouais. Fiez-vous. Sergent, allez, qu'est-ce que c'est ce truc là? Allez vérifier qu'il a vraiment problème de vessie. Hein. C'est magouille encore là, c'est le cirque ici. Hein. Voilà, avec plaisir, madame. Le cirque. Tout court. Vous avez, je suppose, lu. Ah, mais si vous rapprochez à ce point de moi, c'est pour donner vos dollars, c'est pour ça, bien sûr. Regardez, vos docteurs font la queue derrière. Quand même, vous voulez vraiment prendre mon argent, général? Mais c'est la journée de la générale, voyez avec le gouverneur si vous n'êtes pas contente. Hein. Ah mais vous n'êtes pas obligé de me délester. Vous voulez mon argent, général? Mais c'est la journée de la générale, c'est le gouverneur qui a décidé. Ah mais c'est obligatoire. Bah bien sûr, c'est la loi. Vous voulez vous mettre dans une position d'illégalité peut-être, madame la directrice? Non, mais bien sûr que non. Ce serait très regrettable au vu des allégations récentes auprès des journalistes et leurs publications. Hein. Vous avez vu le démenti. Là, actuellement, nous avons... Je n'ai pas eu ce bonheur. C'est dommage. Ah, il y a un très bel article. Et puis, également, de très bels articles, je suppose, qui sortiront sur la ministre. Votre interview, j'espère. Hein. Vous êtes un petit peu en retard. Je ne suis pas en retard. Hein. Le colonel l'a eu. C'est votre argent qui est en retard. Ah mais vous êtes pressé de me délester. Tenez, allez, je me sens généreuse. Hein. Je comprends que vous en avez grand besoin. J'en ai toujours besoin, bien sûr. Tenez, hein. Je vois le journaliste derrière là qui prend note. Hein. Ça c'est bon journaliste. Hein. Oui, c'est exact. Voilà, il est en initiation, en immersion. D'ailleurs, à ce sujet, permettez-moi. Je suis en train de me faire péter de thunes, ma thune elle monte. C'est n'importe. À moi. Ah, merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous avez donné à moi. C'est pas moi qu'il faut donner ça à la générale. J'ai donné aussi à elle. Vous noterez.
Ouais, ah, d'accord. Passe devant le Yellow Jack. La directrice a du mal à donner l'argent. Respecte pas trop la loi. Bien sûr, ce sera fait. Alors, tout le monde a donné son argent? Oui. Oui. Ah, il semblerait, oui. Niette, vous êtes sûr? Oui, bah moi je vous ai donné tout à l'heure quand on s'est vu au NAS. Vrai. Très bien, très bien. C'est pas trop mal tout ça, hein? Ah, mais je vous avais dit que l'hôpital serait généreux. Ah, c'est vrai, bah je le passerai tout à l'heure, alors là. Pour récupérer ceux des autres. Das Vidane, un plaisir. Hein. Et vive le gouverneur, bien sûr. Ah oui, hein. Et vive le président, surtout. Ah, j'adore. Le véhicule prend la fuite direction la ferme, hein, puisqu'on est au des sables. Il y a quoi sous fuite? A priori, oui, général. Ah, bah, qui donne information, là, nord-sud et tout, hein? Direction Gramsid, y compris à travers champ. Pour le Romanov, on peut avoir un descriptif du véhicule, s'il vous plaît. Monsieur Tangri. Allez, sergent, faites code radio. Patrouille de la générale, on se dirige vers Gramsid. Il est repassé par la freeway, il est en train de remonter vers Paléton. Ah, ça c'est bonne formation. Paléton, intercepté. Il se dirige actuellement vers le phare. Bon, c'est pas très loin de nous, ça, maintenant. Oui. Bah, dites-le. Hein. On peut répéter, vous avez bien dit vers le phare. Il dirige vers la vente de véhicules. D'accord, c'est quoi la vente de véhicules? Je n'aime pas ce terme, c'est encore le Castagnac qui parle comme un idiot, là. Dites à Patrouille Bogdanov là d'annuler son arrivée, elle est déjà sur place. Patrouille de la générale, on est sur place. Pas la peine d'envoyer d'autres unités. Bien reçu, Forêt Claire. C'est bien reçu, sergent Forêt Claire. Alors, c'est quoi cette histoire? Et le patrouille motorisé, ils sont toujours sur place quand même, hein? Ah bah je crois que c'est eux. Bah dites-leur de rester, hein. Patrouille motorisée, pourquoi vous faites demi-tour? On a perdu le véhicule. Mais c'est blague, ils ont perdu le véhicule, bordel. Soldat Cowen, l'un des hommes a sauté du véhicule pendant la course-poursuite, je suis avec lui. Et c'est maintenant qu'elle nous informe de ça, hein. Soldat Cohen, pour la patrouille du général, votre position? Au carrefour entre la freeway et le virage pour la position. Et où était le type qui est descendu là? Ben, c'est ce qu'elle vient de dire. D'accord. Non, tu as demandé où était sa position. Bah oui, bah c'est là où elle est restée avec l'individu. D'accord. Ah, vraiment, c'est dur des communications pour certains. Après, en moto, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'en voiture. Niet, ça change rien du tout. Mais bon, rien, c'est tout. Bon, on est là sur place, y'a rien du tout, là. C'est où le truc qu'elle dit, là? Bon, je pense que c'est plus loin, elle dit au croisement de la freeway et de l'usine, je crois. Ça va être le truc assez long, là. C'était pas eux sur la droite? Et de l'autre côté, général, il y avait les motos qui étaient arrêtées sur le bas-côté. Ah, peut-être, c'est ça. Que cette affaire? Привет. L'homme en noir a sauté du véhicule que nous poursuivions pendant la course-poursuite. Ou alors, je ne sais pas, il avait peut-être pas sa ceinture d'attaché, donc je me suis arrêté et j'ai appelé les médecins. Ça très bien fait. Nous allons pouvoir l'interroger. Super, c'est parfait. Hein. Bah, allez, c'est parti, je te regarde, je te chronomètre.
Bah actuellement il est en cours de réparation par les médecins. Je crois qu'il a pris un sacré choc tout de même. Il a dit avoir mal. Alors pardon, j'ai cru mal entendre. Il est en train de se faire réparer par des médecins. C'est-à-dire c'est un machine, c'est un Terminator. Quel non, modèle? Non, il se fait recoudre l'arrière du crâne, je crois. T'es sûr, ce n'est pas un modèle de Terminator? Ah ça faudra lui demander, je ne sais pas encore. Bah c'est toi, je t'interroge. Ben moi je ne sais pas encore non. Peut-être que c'est toi la machine qui par réflexe a dit qu'il allait se faire réparer au lieu de se faire soigner. Peut-être que c'est toi qui es en machine. Recrue Jean-Louis là, regardez si le soldat était en machine. Bon, venez ici, s'il vous plaît. Ça se trouve, il utilise du vaudou en plus. Je suis d'avril hein, mais je vais devoir tester. Ah non, c'est bien de la chair humaine. Alors pourquoi tu parles comme un machine bordel? Je ne pensais pas que vous prendrez ça comme une machine, c'est-à-dire que... Bah tu crois qu'il y a beaucoup de nains qui se font réparer, toi? C'était une expression, je ne pensais pas que vous l'apprendriez autant... Au pied de la lettre. Bah je sais pas trop, moi... On me dit réparer, c'est bizarre, hein, il faut faire attention aux espions du futur, hein. Qui viennent dans le passé, là, tu comprends? Pour peut-être m'assassiner, hein. J'y ferai plus attention. Super. Privet. Bonsoir général. Bonsoir. Bonsoir. Bah bonsoir. Oh c'est la journée du général. Il faut donner de l'argent aujourd'hui, c'est vrai. Oh j'avais presque oublié. Ça vient de me revenir à l'instant de manière tout à fait insouciante, hein, vraiment. Mais j'ai un petit problème de poche là. Non, on va s'éloigner du moto peut-être. Attendez. Ah oui je pense. Tiens qu'est-ce que je fais là bordel de recrue là. Ramenez-moi cette moto plus loin là. Là. Mais comment c'est possible de perdre la bagnole alors qu'elle va dans un déchet? Je vais me décaler vers là, comme ça je suis sûr. Da. Il veut pas la décaler la moto? Et du coup, mais tu peux pas bouger le moto, bordel? Ah oui. Bah, ce n'est plus ce que c'était le personnel, moi, hein, vraiment. Je sur vous, donc quand tu vois ce que je veux dire. Attendez, j'ai comme. Je trouve plus mes poches. Pas, maman, Wilfred, je vais t'avancer. Vas-y pour cacher un... D'ailleurs, monsieur, vous êtes blessé, là, vous avancez le docteur, mais il va bien, docteur? Oh oui, bah il va bien, je l'ai requinqué, je lui ai fait des points de suture, je lui ai mis un petit shot de morphine, et paf, tout est reparti, hein. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, ce brave monsieur, là? Bah, je le reconnais, c'est pas le patron de Mécanibar, ça? Oui, c'est moi. Bah apparemment, alors... il aurait essayé de voir s'il peut sauter d'une voiture, hein. Pardon, vous sautez d'une voiture, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait kidnapper par des malandrins. C'est vrai ça? Oui, ils voulaient tout mon argent! Bah alors c'est bizarre ça! C'était pas une Kuruma, bande d'idiots! C'était une putain de Karine, je sais plus quoi! C'est vrai mais ça, non, soldat machine là, va plonger! C'était moi qui étais devant, il y a une fois. Le véhicule était bien gris, mais je ne connais pas les modèles exacts des voitures. Parlez-moi fort, là, parlez-moi fort, merci. Là, je vous écoute, soldat. Le véhicule était bel et bien gris comme annoncé. Après, pour ce qui était de la marque exacte, du modèle exact de la voiture, je ne connais pas, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Et quelle importance le modèle du voiture, expliquez-moi là. Bah, ça permet de le reconnaître. Cela permet de le reconnaître de loin. Je l'ai reconnu cette voiture. C'était une sultane. C'est vrai ça? C'est vrai ça, oui. Soldat? C'était un sultan? Comme je vous le dis, je ne connais pas suffisamment les noms des voitures. J'ai fait confiance au reste des soldats de ma patrouille pour ça. Et ils ont dit quoi, les autres? Bah, c'est ce qui avait été annoncé en radio. C'était pas une sultane. Je vous avoue que je n'ai pas retenu. Allez chercher les autres de votre patrouille, là, Davaï. Oh non, ils vont jamais les rattraper s'ils sont tous comme ça. C'était une sultane, colonel. C'est général. Ils ont annoncé Kuruma grise, général. Kuruma grise, d'accord. Oh, les abrutis. Et apparemment, d'après ses dires, il était pris en otage, c'est vrai? Ce n'est pas ce qu'il a semblé dire. Enfin, disons que pour un otage, il semblait pas très paniqué. Mais après, c'est vrai. Et comment vous jugez le niveau de panique d'un otage? Ah, j'ai un problème de Teamspeak. Attendez, ouais, on s'explique à planter. Bougez pas, je relance, tac tac, boum. Da, vous m'entendre? Da, je gagne trop bien ma vie pour... Da, j'avais petit souci corps vocal. Je vous disais, comment vous calculez le niveau de panique d'un otage soldat? Oh bah disons que la précédente course-poursuite qu'on a fait, puisque la porte s'est ouverte au moment où
Personne n'a sauté, on a entendu l'otage clairement crier. Alors que là, il n'a pas semblé vraiment paniqué par sa course-poursuite, alors qu'il y avait des miliciens qui étaient là pour l'aider à côté de lui. Et alors, on doit forcément crier quand on saute d'un voiture ? Non, non, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait tout à fait être vrai comme histoire, c'est pour ça... Mais fouillez quand même cet autocar, hein. Oui. Reçu. Vous avez quelque chose à déclarer, monsieur ? Oui, j'en ai flingue sur moi. C'est bizarre ça pour un otage, hein, plusieurs flingues. Je confirme qu'il a deux armes, je confirme. Bon, c'est très chargé ça pour l'otage, hein, un otage avec deux armes. Écoutez-moi bien, ils étaient deux. Il y en avait un qui avait un flingue sur ma gueule, si je le sortais, ils auraient tiré. Par contre, quand j'ai vu qu'il y avait le manteau de la bande milice derrière, j'ai sauté du véhicule. Il aurait pu vous tirer dessus quand même, c'était très dangereux, hein. Il aurait pu, mais j'étais paniqué quand ils nous ont général, vu. Pour j'ai tenté ma chance, j'aurais pu y laisser ma général, peau. Je reçois. Général, je reçois, colonel. On m'entend radio ? Oui. Oui, affirmatif. Général, vous avez colonel. Encore besoin de moi ou je peux disposer ? Non, général, je vous reçois. Non, là je crois pas. Attendez, c'est moi. Il y a un gendigan pour le colonel. Je crois qu'on vous a pas entendu cette fois-ci. Non. Oui, c'est bon. Non, moi je vous ai entendu. C'est moi qui ai physiquement radio, pourtant je réponds. Et oui, bordel. Vous pouvez y aller, je pense. Il va vous appeler au téléphone. Bordel, qu'est-ce qu'on va faire de vous là, monsieur l'otage de Fly, bordel. Bonne soirée. Bah, j'aimerais bien que vous m'escortiez jusqu'à mon garage. Oh, mais tu crois que la milice est taxi là ? Privière. Pardon, mais vous seriez bien rémunéré. Da, tu m'entends ? Quoi, rémunéré ? Da, tu m'entends ou pas ? Putain, j'ai un bug, attendez. C'est quoi ce TeamSpeak là ? Les gars, je vous rappelle que le serveur a été sponsorisé par TeamSpeak. Hein. Remerciez TeamSpeak sur le chat s'il vous plaît. Hein. Quoi ? Privière, tu m'entends ? Oui, allô, oui, je vous entends, général. Dis-moi, j'ai un gros problème avec le gouverneur, il commence à m'énerver. Encore ? Bah, je viens de l'appeler pour calmer les choses entre lui et le sergent, parce que bon, ça commence à m'énerver, ces enfantillages-là, parce qu'il n'arrête pas d'envoyer des messages au sergent, machin. Et donc j'appelle pour essayer d'arranger les choses, gentiment, et apparemment, maintenant, c'est de notre faute. Hein, c'est de ma faute qu'il y a ces histoires, machin, patin couffin. Donc il commence vraiment à me saouler, il a aucun respect, il raccroche au nez, il en a rien à foutre. Bon, je vais vous confronter tous les deux, là, j'arrive, hein. Oui, oui. À tout de suite, hein. Dites-lui de rejoindre le gouverneur, là, au gouvernement, hein, d'accord. Oui, bah, on se rejoint au gouvernement, ouais. À tout à l'heure, dans une dernière. Putain, c'est la merde encore. Plus que vous le regardez, je regardais si personne arrivait dans ce sens. Bon, moi je sais pas trop si j'arrive à dire si tu es un tocard ou si tu es un tocard, du coup comme tu es un tocard... Général, puis-je me permettre ? Tu me coupes pas la parole ! Pardon ? Je disais, je n'arrive pas à distinguer si tu es tocard otage ou tocard menteur, donc tu restes un tocard, donc on va pas te raccompagner, hein, tu te débrouilles. Oh, même pour plusieurs milliers de dollars ? Tu m'as donné que 400... Tu m'as donné 200 dollars tout à l'heure pour ma journée du général. Ben, emmenez-moi mon mec en débarque, je pourrais vous en donner plusieurs milliers. D'accord, très bien. Bah, monte dans le coffre, hein. Oh, ok. On est en patrouille, général. Da, retourne en patrouille, foutez-moi ça dans le coffre. À vos ordres. Bonsoir, quand même. Bon, viens avec moi. Est-ce que tu peux demander à la générale d'appeler le gouverneur ? Moi, il me répond plus au téléphone. Da, tu me reçois ? Oui, je reçois, oui. Da, mon radio est réparé, j'appelle, hein. Allez, merci, général. D'ailleurs, moi aussi, il m'a pas répondu tout à l'heure. La recrue, ferme bien le coffre qui saute pas en route, on sait jamais. Hein. Oui, bien sûr, attendez. Hop là, voilà. Putain, mais il répond pas. Il répond pas ce bordel de gouverneur, il répond pas. Comment je fais moi s'il répond pas là ? Bah, ce que disait le colonel, c'est qu'il lui répondait pas non plus. Eh, le gros porc derrière, il a intérêt de me donner des dollars, bordel. Hein. Vous y croyez, voici son histoire ? Moyennement.
voire un grand montage avec deux flingues, bordel. Je crois qu'il aime bien se payer notre tête, surtout. Bah, je crois bien. Otage avec deux flingues, bordel. Il répond pas le gouverneur, comment on va faire les gens? Bon, si il répond pas, on fait quoi, bordel, sergent là? Moi je crois qu'il nous prend pour des cons. Ah, c'est bien possible. Et sortez-moi ce gros tas de mon coffre. Votre patron a été victime d'un malheureux malentendu, il s'est fait kidnapper malheureusement. Ah merde. Ah c'est vrai, c'est très grave. Hein. Bon, je vous avais promis plusieurs milliers de dollars. Ah, comme je suis quelqu'un qui tient parole. Voilà. Patrouille, on peut vous retrouver. Je commence à vous croire, mais je suis toujours pas 100% convaincu. Hein. Oh, vous êtes quoi, 20%? Je sais pas trop, en pourcentage, je dirais 50%. Oh, 50%? En plus, c'est la journée de la générale aujourd'hui. Hein. Oh. Ah ouais? Non, c'est vrai, notre cher gouverneur a de bonnes idées. Hein. N'hésitez pas à lui dire ce que vous en pensez. Oh, ouais, ne vous inquiétez pas, je l'apprécie. Ok. Là, j'ai appelé plusieurs fois, il répond rien du tout, hein. Il répond pas à mes appels. Il répond pas là, putain. Alors que quand je t'ai appelé, quand je vous ai appelé, ça faisait quoi, 2 minutes que j'avais raccroché avec lui. Mais tu sais où il est? Non, pas du tout. Là, je suis au gouvernement, là, il n'y est pas. Hein. Oh merde. Et moi, je l'avais juste appelé pour essayer de calmer les choses entre lui et le milicien, en toute gentillesse, tu vois, tranquille, hein. Il m'a dit de toute façon c'est de votre faute parce que vous faites rien pour le calmer, patin, enfin. Bah mais peut-être que Frankenstein il met lui sur le feu aussi, mais dans tous les cas ça mérite discussion. Ah non, mais le sergent, je lui ai demandé de se faire petit là, en début de soirée, il s'est fait petit, il a rien fait, c'est le gouverneur qui arrête pas de lui envoyer des messages toute la soirée, il lui envoyait des messages, toute la soirée. D'accord. Il me l'a dit toute la soirée, au bout d'un moment ben, je l'ai appelé le gouverneur pour lui dire qu'il arrête quoi. Et Frankenstein il a pas une idée là de où il est le gouverneur? Bah non, il est en patrouille, on a fait des patrouilles toute la soirée, on était à la base, on a fait des trucs, on l'a pas croisé de la soirée, donc, on l'a pas croisé, vraiment. D'accord, bizarre, ça. Et il a pas arrêté d'harceler le sergent avec ses messages, de toute la soirée, véridique. Bah tiens, mon courant, d'accord. Bah si je l'ai au téléphone, je t'appelle si je l'ai. Vas-y, on fait ça, Dazudan. Putain de gouverneur. Je veux pas ce truc là. Par contre, là, le fourgon, c'est peut-être celui de son ancien chauffeur. Ah, c'est vrai. Et par contre, c'est quoi ce femme, la danseuse par terre? Oh, fais photo pour moi, ouais, et okay. Envoie-le-moi sur mon mail. Il est vapeur de Luffy. Bah t'es sérieux? Madame la colonelle.
C'est général. Aujourd'hui, c'est la journée de la générale. Il faut notre pays maintenant. C'est la loi du gouverneur. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est Cyrus. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est combien de dollars hein? N'importe quoi. Ouais, c'est Cyrus. Très bien. Je crois que c'est Cyrus. Hein. Ouais, je crois aussi. À quel honneur? À Gustave, Gustave Pièce. J'ai remporté la course du semi Canary Rice. C'est pas colonel, c'est général. Général, général. Pardon. Bonjour général. C'est la journée de la générale aujourd'hui. C'est la loi du gouverneur, il faut me payer 2 dollars. Ah mince. Bon bah je vais vous donner pour lui et pour moi alors du coup. Très bien. Alors Varoussier concevant inflammation et morue qui surfissit la continence sont du l'homme. Virus vital prolactique rectal protusion du parti du rectum. Bah quand tu veux hein, il faut pas te presser hein. Voilà s'il vous plaît. Et vous madame? Oh. Pardon. Madame. Oui, oui, oui. À qui ai-je l'honneur? Angelica, du Mécanibar. D'accord. Vous êtes plutôt généreuse ou pas? Bah, plutôt, oui, je pense. Et vous pensez quoi de cette loi du gouverneur? La loi du gouverneur? Bah, je trouve que, au moins, ça réhabilite les forces de l'ordre, vous voyez. Enfin, je pense que, niveau budget, ce sera bien, non? Bah, peut-être, peut-être. C'est vrai. Merci. Vous travaillez du coup Mécanibar, d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait par terre là? Fais le photo, hein, sergent. Bah, je sais pas, mais... Je crois qu'il est mort. Non, mais je crois qu'il a pas assez mangé, non? Ah oui, oui, je confirme, j'ai bien pris la photo. Ah oui, on y est maintenant. Ah bah tu vois, il est pas venu pour rien. C'était une seule maladie, hein. Ouais, parce qu'on en a reniflé pas mal. Priviet. Priviet, général. C'est quoi ce bordel? C'est une visite médicale, j'assiste du coup. D'accord. Tout le monde a payé ici, je crois pas. Hein. Je vous ai pas vu, vous, là-bas. Ça moi. Est-ce que par hasard, vous auriez vu le gouverneur? Non, je n'ai pas vu le gouverneur général. Personne n'a vu le gouverneur. Moi, je ne l'ai pas vu de la journée, quoi, je crois. Vous l'avez vu quoi, pardon? Je l'ai vu ce soir, effectivement, mais là, il, où ça a... il est passé manger. Il y a combien de temps? Il y a au moins il y a 2 heures, franchement. Donc. D'accord. Et vous, monsieur, vous n'avez pas payé? C'est la journée du général. Non, je vais retirer, je reviens de suite. Da, retire-toi, ouais. Là. Ah, ouais. Laissez-moi très bien, bonsoir. Ah, ravi de vous revoir. Et toi là, tu as payé pour le général? Je t'ai pas vu aujourd'hui, hein. Non, vous m'avez pas vu général. Alors paye. J'ai pas. Pardon. J'ai en fait j'ai que 46 dollars sur moi. Et bah tu donnes 46 dollars. Parfait. Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais donné 2 belles pierres précieuses, général? D'ailleurs, je me rappelle que certains médecins étaient en train de dire que l'article des journalistes c'était honteux, ah, alors pas... que toi, hein. Moi j'ai dit que c'était pas honteux, général. Bien sûr que toi tu dis que c'est pas honteux, tu peux sortir. Non non, c'est pas pour ça. Vous savez pourquoi, général? Pourquoi? Parce qu'en fait, les journalistes, ils sont pas. Les journalistes, les médecins, ils ont pas été, comment dire, très intelligents. Je leur ai dit de pas faire ça, que ça servait à rien, qu'on n'était pas corrompus. Et puis c'est pas grave si les journalistes, ils voulaient publier ça. On s'en fichait, ça causait pas du tort à l'hôpital. Et il fallait surtout qu'on attende les ordres de madame la directrice. Ils ont été tête baissée, tête dedans. Et bah, ils là, des idiots, le cirque, hein, très bien. Bon, voilà, c'est ça. Allez, autour de l'autre là, tu as pas payé, bordel! Oh, moi, bonjour! Ah, bonjour! Oh, excusez-moi, mais je n'ai rien sur moi à part des fruits, des légumes, des œufs, des pierres, de la viande. Sergent, fais-moi ce tocard! Généralement, allez, retournez-vous, levez les bras! Viviane! Ah, si vous voulez, je peux aller chercher de l'argent, monsieur! Merci. Et vous travaillez, ce sont vous, monsieur? Ce sont des médicaments. C'est vrai que... Bah, c'est vous travaillez, vous, monsieur? Dans une épicerie. Bah, décapant, c'est pas rien. D'accord, c'est bien. Et vous, derrière, là? Non, pardon. T'as payé ou pas, bordel? Non, c'est pas payé. Ah, de coup, bah, tu payes maintenant. Je voulais que j'aille chercher de l'argent au distributeur. Je paye combien? N'importe quoi. Bah, si t'es motivé, vas-y. J'ai 3 dollars et j'ai un œuf dans mon cul à cause de mes filles. Il a pas d'argent. T'as pas autre chose à part un œuf dans le cul et 3 dollars? Qu'il est 50 dollars. Attends, je regarde. Oh, si, oh, tu me tutoies, bordel. Ah, ça va.
Contre le mur. Tu faisais un peu pitié. Hein. Faut juste que je trouve un ATM. Ne bouge plus, hein. Anna, quelqu'un. Anna, à côté, tu peux me le montrer, s'il te plaît. Oh, moi, je ferai tout. Hein. Je vais prendre de ton laisse, pas trop mal ça. Merci pour ta générosité, hein. T'as vu d'aller. Où est le. Allez, passez pour visite médicale, hein. Au revoir. Merci. Ah, ça se passe bien. Normalement votre glucose va remonter. Vous en pensez quoi les gens? Привет. Bonsoir colonel. C'est général. Et c'est ma journée aujourd'hui, oui, présente les dollars. Ah on m'avait dit que c'était le colonel seulement. Niet, c'est général. Oh merde. C'est pour ça que je suis resté dans les parages. C'est-à-dire? Bah je me suis dit que c'était pas colonel. Ah bah attendez, oh. J'attendais plus d'un baron de la drogue qui revendique tous les trafics, hein. Je suis le commercial maintenant du... C'est pas ce qu'a dit les journalistes, hein. Je ne suis que commercial du N-House maintenant. Commercial du N-House. Exactement. Bah je savais que t'étais une poutre, mais je savais pas que maintenant tu les diriges, hein. Ah bah il vaut mieux les diriger qu'en être une, hein. C'est vrai, hein. Ascension sociale, hein. Et vous voulez quoi, vos bordels? Oh, j'ai retiré de l'argent à l'ATM, si vous voulez. C'est vrai. Oh, merci beaucoup, hein. Bah, touchante, oui. Touchante attention, hein. Ça, c'est un homme, en vrai, ça. Ta fidèle visite médicale. Hein. Merci, hein. Oh, mais c'est très généreux, plusieurs milliers de dollars. Est-ce que je pourrais merci avoir beaucoup, une caresse sur la tête, s'il vous plaît? Un quoi, pardon? Une caresse sur la tête, s'il vous plaît, madame la générale. Un quoi, pardon, sergent, il dit quoi, bordel? Ah, il y a une caresse sur la tête, je peux m'en charger si vous voulez. Hein. Ah, vas-y, sergent, caresse-le, hein. Ah, oui, s'il vous plaît. Ouais. Oh, elle était bien, la caresse? Et le Joe Caca, il veut pas caresse, hein, aussi, peut-être. Une caresse aussi ferme, je m'en passerai. Hein. Ah, d'accord. On vous a pas vu depuis quelques jours, général, non? Pardon? On vous a pas vu depuis quelques jours maintenant? Ah, j'étais sur mon yacht, hein. Je fais des nouvelles promotions, hein. J'espère que vous m'emmènerez un jour. Général, pour sa défense, vous savez qu'il a donné vraiment l'entièreté de son compte bancaire. Hein. Ah oui, il n'a plus un rond. Hein. Mais pourquoi il fait ça, cet abruti? Parce que il a même demandé à être rétrogradé au sein de l'hôpital parce qu'en fait il s'en fiche de l'argent. D'accord, mais on est vraiment dans le cirque, hein. Comme je vous l'ai dit, général, je bosse pas avec les meilleurs. Quoi. Allez, debout. D'accord. Et c'est bien alors, tu diriges les danseurs, c'est ça, je cobra, hein? Non, je dirige que dalle. Je m'occupe de la prospection et du commercial. Pour redonner un peu le blason de cette boîte de merde. C'est mieux. Ah, c'est très bien ça. On va passer bonne journée, hein? Merci, bonne journée. C'est vous, monsieur l'œuf dans le cul? Pardon? C'est vous l'œuf dans le cul, là? C'est-à-dire? Ah, c'est pas vous qui avez l'œuf dans le cul, c'est ça, hein? Ah non, celui qui a l'œuf dans le cul est en bas, madame la générale. D'accord. Je sais pas, moi. C'est la journée du général aujourd'hui, donne-moi ouais, 10 dollars. J'allais vous donner. Par contre, excusez-moi, j'ai pas beaucoup. Bah, tu devrais travailler pour le nightclub et il recherche des danseurs. Il a plus rien. Bah, je viens d'être embauché là. Merci, hein. C'est vrai, bah, c'est bon travail. Hein. Il a donné tout son compte. Merci beaucoup. Riviette. Riviette, général. Ah, tu me fais plaisir. C'est le monsieur de l'association, je sais pas trop quoi, des travailleurs de la ferme. La coopérative agricole. La coopérative. Tu as perdu tes cheveux, toi? Da, ils ont brûlé. C'est vrai? Da. Comment ça se fait, bordel? Bah, ils ont brûlé dans une explosion à la station essence, côté du mécanibar. Alors, combien tu donnes à la générale aujourd'hui pour sa journée, hein? Ah, bah, je donne 500. Venez à côté, un peu plus loin des coffres. Ah bah, j'ai bloqué mes poches. Hop, attention. Plus, hein. Pardon. Il faut que tu viennes décharger, s'il te plaît. Arrête de te cacher dans les toilettes. Non, elles sont vraiment bloquées. Faut que je médite quelques secondes. T'es sûr, bon bah, tout à l'heure. Hein. C'est qui se cache dans les toilettes, bordel? Ah, c'est un employé, je l'appelle et j'entends que ça arrive. Sergent, il y a un type qui se casse dans les chiottes là, peut-être il veut pas payer, hein. Irine, le goulag change de caractère. Ils vont prendre cher.
Ah oui, mais moi aussi, oui. Reviens. Merci Balzov pour ton tir et tes 5 mois de fidélité à la confrérie. Merci beaucoup Punzor, merci à toi. Vous allez bien mes Punzor ou pas? Ah, quel bonheur, on s'est fait pas mal de dollars hein. 29 000, j'ai 30 000 dollars sur moi. C'était lui, il se cachait dans les toilettes, voilà, si vous voulez. C'était savoir. Qui, bordel? Tu me dis, c'est le lui, roux. Mais. Le roux, là, avec un sac en blanc. Ah, d'accord. C'est le roux avec un sac en blanc. Il y a personne dans les toilettes, en tout cas. Hein. Le roux, c'est le roux. Ah, il vous a déjà esquivé tout à l'heure. Hein. Priviet, retourne-moi récupérer ces dollars. Da, bonjour, gouverneur. Bah oui, vous avez essayé de m'appeler. Da, je cherche à vous joindre, je voudrais vous parler avec. Mes officiers là, je voudrais qu'on règle ça une bonne fois pour toutes là, on va se confronter parce qu'ils me disent un truc, vous me dites l'autre, on va se parler tous ensemble hein. Ouais mais moi j'ai pas trop envie de leur parler, j'ai pas trop confiance. La dernière bah, fois, pourquoi avec des armes et tout, j'ai pas trop envie. Bah c'est normal, c'est des la miliciens. La dernière fois que je leur ai parlé, ils sont venus me... Ah oui, bah d'accord, moi aussi c'est normal. Ah c'est normal qu'ils soient armés, c'est des miliciens bien sûr. Non, qu'ils soient armés oui, qu'ils me visent à peine je marche devant l'hôpital, pas sûr. Ah d'accord, mais là je serai là hein, ça n'arrivera pas hein. D'accord, vous voulez qu'on se retrouve où? Bah votre bureau, c'est le mieux. Hein. D'accord. Vas-y Dan. A de suite. Vous pensez que ça va bien se passer ou pas? Vous le sentez général. Comment? Privet, j'ai eu le gouverneur, tu peux te ramener au... à son bureau. On se rejoint. Vas-y Dan. Ok, j'arrive. Alors le voici, général. Alors, on paye pas la générale. Deux enfin, fois que tu m'esquives dans les shots, bordel. Ah tu vas payer deux fois plus cher. Tu m'as fait perdre deux fois plus de temps. Alors tu rack maintenant la bordel. Souka bliad. Pas beaucoup d'argent, c'est ça le problème aussi. J'en ai rien à foutre, mais c'est pas mon problème. C'est le loi du gouverneur. Tu as un souci avec le loi du gouverneur. Je comprends bien, je comprends bien. Alors tu payes. Tu as un souci avec le gouverneur. Tu veux le gouverneur. C'est le gouverneur non, qui décide. Mais je comprends bien, je comprends. Par contre, on est trop près des véhicules pour que quoi que ce soit. Ok Romanov, tu te rattaches à la patrouille motorisée. C'est bon pour toi. Ça devrait aller normalement. Par contre c'est tout ce que j'ai. Je sens que c'est vraiment médiocre. Je crains mais j'ai pas c'est beaucoup médiocre. D'argent. C'est médiocre, perds ton temps pour ça. Hein. Vas vidane, hein. Et va travailler bordel. Oui oui, bonne soirée. Mais attends, maintenant que j'y pense, sergent, c'est pas le voiture qui était accusé tout à l'heure? Je pense pas. C'est une couronne, mais l'autre, il me semble qu'elle était grise. Je dis rien, sergent, comment allez-vous? Ouais, ouais. On va y aller. Vas-y, Dan. Bah, j'ai chaud. C'est une couronne grise, ça correspond à la voiture du patron du mécanibar, je l'ai bien vu l'autre jour. D'accord. Il y a des belles voitures, hein, autour du nightclub, hein? Oui. Tu as pris la photo, là, de la danseuse par terre? Oui, oui, je. Oui, oui. On enverra aux journalistes, hein. Tu veux comment ils traitent leurs danseurs ici, là? Oui, c'est énormissime. Hein. Bonne journée. Merci. On t'a à l'œil, Joe Caca. Hein, je vais peut-être prendre une photo d'ici. Là. Je vous ai à l'œil aussi, colonel, vous êtes resplendissante. Privet. Eh ben, t'es Dieu. Privet. Ben, c'est bon t'es pour toi. Général. Da. Et tout se passe bien à la coopérative? Da, c'est très oui, bien passé. Oui, franchement. Hein. Tu as mon numéro, hein? N'hésite pas à appeler, hein? Da, ça marche. Das Vidan. Das Vidania. J'ai mis autant de fric, les gars, en deux secondes, hein? Abusé. On passe aux banques, là, et après, on va aller voir le gouvernement. Mon sergent, je vous préviens, hein, ça va monter dans les tours, je crois, au gouvernement. Ah, je pense que ça commence à être bien justifié, hein? Bon, que se passe-t-il? Si c'est pas discret. Expliquez-lui ça. Oui. Oh, j'ai pas tous les détails par contre. Bah justement, expliquez-leur dans vos mots là. S'il vous plaît. Alors. Alors. Moi j'ai combien sur moi en fait là? 30 000, ok. Ah là 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 là. Ah oui. Ah, donc faut ah t'es pas clair. Ah oui, Clément, hein.
Voilà le chico. Ouais, c'est ça, avec des dents, hein, tout pareil. Oui, on va le... Non, c'est pas... chicoté, c'est pas avec des dents, hein. Bah, mais vous allez respecter le gouverneur. Vous ne manquez pas de respect, hein. Ça reste le gouverneur. Ah bah, tout à fait. Mais justement, oui, je me posais la question générale. Du coup, si les gouverneurs et qui commencent à dénigrer la milice, est-ce qu'il est en droit de le faire? Pas trop, non. Ah, d'accord. Dénigrer la milice et dénigrer le président. Ben oui, c'est justement, et comme on m'avait dit que le gouverneur était le représentant du président, du coup, je me posais la question. Non, mais réfléchis pas trop, hein. On t'a pas recruté d'accord. Pour ça. Hein. Vous en pensez quoi, là? Vous le sentez comment, vous? Bon, je fais cette scène, après je vais décoller, il est tard. En espérant que ça se finisse pas en apocalypse, là. Privet. Oui. Bah, le colonel arrive, hein. D'accord, oui. On va discuter calmement. Apparemment, il me dit que vous avez envoyé des messages à Frankenstein, le sergent, là. Pour raviver le flamme du drama. Bah non, hop, c'est quelqu'un qui est venu me voir en me disant, en fait, dès que je passe près de lui, il sort son arme et il me vise avec. Donc mais vous le croyez, vous croyez n'importe qui, n'importe quoi, vous. Bah, il y a certaines personnes que je crois plus que le soldat Frankenstein. Ou bah Peter, c'est sûr, mais bon, franchement, si vous voulez raviver cette histoire pour une histoire de on dit, vous êtes vraiment sûr. Ça vaut vraiment le coup pour vous. Hein. Bah après ce qu'il m'a fait ce matin, oui. Moi, il paraît, on m'a dit que vous avez tenté de faire pipi sur un sergent, c'est vrai? Bah oui. Ah non, mais attendez, bordel. Vous croyez que moi, je vais vous défendre alors que vous pissez sur milice? Si vous attaquez un milicien, vous attaquez bah, à tous les milices. Bah, il venait de me tabasser sans aucune et raison, alors, sans même me parler. Et bah, vous faites autrement, mais pisser sur le milice, c'est tout un symbole, bordel. Frapper le gouverneur, c'est tout un symbole aussi. Bah, je suis bien d'accord. Mais alors, vous venez m'en parler, et moi je te regarde cet enculé ou je le fais payer amende. Oui, bah après, je suis désolé, c'était sur le coup de l'énervement, sur le moment même. Après, je l'ai pas fait au final et je suis parti. Bah, vous l'avez pas fait apparemment parce que on vous a empêché de le faire surtout. Ah non, non. Non, on m'a dit tu devrais pas faire ça et du coup, j'ai dit bon, je le fais pas, mais d'accord. Ça m'a vraiment empêché. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous avez des torts tous les deux, là. On va régler cette histoire là, rapidement. Moi, j'ai autre chose à foutre que des gamineries pareilles. D'accord, oui. Vous en pensez quoi? Ah là 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 là, putain. Des histoires à la con, là. Monsieur le gouverneur, général. Oui. Alors. Bon, monsieur le gouverneur. Bon, moi, je serai rôle de médiatrice, là. Hein. D'accord, général. Alors, pourquoi vous me remettez ça sur mon dos, là? Vous m'avez raccroché au nez, et juste avant de me raccrocher au nez, vous m'avez fait comprendre que c'était de ma faute, parce que je glandais rien. Il va falloir mesurer vos paroles quand même, monsieur le gouverneur. Ce que j'ai dit, c'est qu'il m'a menacé de mort et que vous avez rien fait. Mais quand il vous a menacé de mort? Moi, j'ai jamais entendu qu'il vous avait menacé de mort. Hein. Bah, au moment où vous avez dit, je me désolidarise de ce qu'il dit. Non, mais là, vous étiez encore en train de vous faire des boutades tous les deux pour des conneries de messages d'enfants. Hein, ouais, vos conneries, je pense que j'ai autre chose à faire que vos conneries de messages. Bah, moi après, je vous ai appelé. Je vous ai appelé ensuite. Vous êtes venu, vous s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Voilà, tout à l'heure, je vous ai appelé parce que le sergent me demande, me dit encore que vous lui envoyez des messages l'accusant encore de choses qu'il n'a pas fait. Hein, en plus, je certifie, il n'a pas pu le faire parce que moi, je suis médiatrice, mais en fait, je fais rien du tout. Tu avec sais. Moi et avec un autre sergent et avec un autre soldat. Moi, je suis là pour me marrer, moi. Bah oui, on était à l'hôpital. Moi, j'étais dans la voiture, on attendait Billy qui se faisait soigner. Et vous lui envoyez un message l'accusant de vous viser avec une arme en voulant le tuer. Alors que c'est totalement faux, il est avec moi. C'est vrai, je vous l'ai dit ça, monsieur le gouverneur. Vous n'allez pas faire confiance à tous les ondits de tous les tocards qui veulent vous mettre... Ah oui, monsieur le colonel, tout à l'heure, vous avez bien fait confiance aux ondits du sergent Frankenstein et vous avez demandé à me tabasser sans même me parler, sans même me demander des explications. Dis ça?
Donc moi je veux bien pas écouter Léon dit, mais alors ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est vrai qu'apparemment... Attends. Apparemment, il a dit tout à l'heure que Frankenstein aurait tabassé sans même lui parler, hein. C'est grave, hein, quand même. Oui, mais c'est parce que c'est leur message entre eux. Et ça, c'était pas des ondits, c'était les messages qui s'envoient tous les deux. Non, moi, je suis pas dans la affaire. Il est venu vous voir. Non, si, vous étiez dedans, parce qu'il m'a dit que. Et je lui ai dit de régler ces histoires, parce que moi, ces histoires, j'ai autre chose à faire en tant que colonel, de régler des histoires de texto. Donc, c'est vos histoires de texto, je lui ai dit de régler ça entre vous. Moi, j'ai autre chose à faire de régler ces histoires de texto entre le gouverneur et le sergent. Par contre, un sergent qui va frapper le gouverneur, c'est pas normal, ça, colonel. Tout ça parce qu'il a pas eu de l'argent et qu'il n'y a pas une journée des sergents pour lui. Mais ça, c'était une boutade hein, qui vous a envoyé. Maintenant, il faudrait arrêter de le prendre tout au premier degré et puis avoir un petit peu d'humour, monsieur le gouverneur. Si c'était juste une boutade, pourquoi il en est venu à me tabasser sans aucune raison? Ouais, c'est ça, vrai. C'est rien. Mais il faudrait peut-être qu'il soit là. Il est là ou pas, colonel? Oui, il est là. Bah, faites-le monter, hein. Einstein, rentre dans le bureau. Einstein. Il est juste derrière ce gros port à écouter aux portes, là. J'étais avec Digan, moi, général. Ouais, c'est ça. Bon alors, pourquoi tu as tabassé le gouverneur, espèce de tocard? Je lui ai mis un coup de poing au mécanibar, c'est vrai, général. Parce que par message, il raconte des conneries, du coup ça m'a énervé un petit peu. J'ai demandé. Mais alors, tu es sergent de milice, pourquoi tu vas frapper le gouverneur? Tu te prends pour qui? En plus, tu dis que j'ai dit des conneries, mais juste après, t'as avoué au colonel que c'était vrai. Et commencez pas à parler alors que je règle le cas avec mon homme, d'accord? Oui, mais il ment. Chaque chose en son temps, déjà. Hein. Il ment, déjà. Vous le tutoyez. C'est normal, ça, que vous tutoyez mon sergent. Vous êtes tellement proche que vous le tutoyez, bordel. Il ment. Juste avant, vous l'avez tutoyé. Vous étiez en train de le confronter. Je mens, moi, à mon tour. Vous allez vous mettre la générale à dos, alors que je suis la seule personne, là, apparemment, qui sert de muraille entre les deux, là, qui n'apprécie pas trop vos chaméries de merde. Alors, pourquoi tu vas frapper un gouverneur? Parce que très sincèrement, en ce moment, j'en ai un petit peu marre de lui, il m'énerve, et puis... Et alors, tu n'es qu'un putain de sergent, c'est le gouverneur! Il représente le président, tu es qui, bordel? Tu te prends pour qui? Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi, de régler des putains d'histoires de texto, là? Des camineries de merde! Des histoires de tabassage devant le mécanibar! Tu es sergent de milice, tu représentes le milice, tu représentes le force, le bras armé du président. Et tu viens frapper le gouverneur! Je suis d'accord, général, mais qu'est-ce qu'on fait quand il passe son temps à nous dénigrer, à vouloir nous humilier? Eh ben t'en parles à tes supérieurs! Bah c'est ce que j'ai fait, moi, général. Ouais, bah moi, j'ai entendu ça plus tard, trop tard. Alors vos histoires, je sais pas c'est quoi ce délire, mais ça va se calmer aujourd'hui, hein. À vos ordres, général. Moi, je te le dis direct, là. Je te fous soldat, là. Il est hors de question que tu frappes un gouverneur. Si tu as un souci avec un tocard, un patron, un gouverneur, tu en parles à tes supérieurs. Tu fais pas justice par toi-même à frapper un gouverneur. Sergent Saskia pour le colonel. Maintenant vous là, vous m'expliquez pourquoi tous mes miliciens disent que vous leur crachez à la gueule, que vous leur pissez dessus, bordel? Ouais, comment ça? Moi à chaque fois que je vois la milice, je dis vive la milice, j'ai toujours aidé la milice, alors je comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent ça. Hein. Bon sortez Frankenstein. Moi j'aimerais bien savoir qui vous a dit ça parce que c'est faux donc... De quoi? Que je crache sur la milice. J'ai toujours aimé la milice, moi depuis le début, je vous ai toujours aidé, etc. Donc je vois pas le seul problème avec les miliciens que j'ai. Je vais entamer un autre sujet qui est un peu plus délicat, général, si vous permettez. Ah, allez-y. Bah, oui. Comme vous le savez, nous avons eu un témoignage un peu plus tôt dans la soirée, général. Ce témoin, malheureusement, vient de disparaître, alors que soi-disant, il avait rendez-vous avec le gouverneur tout à l'heure. C'est quoi cette histoire encore? Mais... Bah, ça, je sais pas. Le docteur Jack. Il avait rendez-vous avec vous tout à l'heure. Jacques. Oui, et apparemment il vient de disparaître, il était pris en otage. Alors qu'il était soi-disant avec vous. Bah, il était pas avec moi, mais. Et que ce monsieur vient de témoigner un peu plus tôt dans la soirée contre vous. Bah, c'est vrai, j'étais présente. Le docteur a témoigné en disant que. Il a dit quoi déjà, colonel? Mais il a témoigné, je me rappelle. Il a témoigné que le gouverneur ici, présent, voulait attenter à la vie du sergent. Ah c'est vrai, je me rappelle exactement. Il a dit effectivement, Da, que vous aviez envie, le docteur Carter je crois, hein. Il a dit que ça, vous aviez dit que vous vouliez mettre un terme à l'existence du sergent. Et la docteur Carter, le docteur Carter est là en bas pour témoigner qu'il avait bien rendez-vous avec le gouverneur tout à l'heure et qu'il a disparu.
Bon, dans c'est tous les cas, moi, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai eu Jacques au téléphone. Je sais que lui et Carter, ils sont remontés sur la milice, vous savez, par rapport à l'histoire de l'article. Non, mais c'est une affaire qui a été réglée déjà. C'est une affaire qui a déjà été réglée avec eux personnellement. Bah, moi, ils m'en ont parlé. Et ensuite, je lui ai dit, il m'a demandé tout si moi j'allais dessus avec la milice. Je lui ai dit que bah, là, j'étais énervé contre Bébert en ce moment. Mais après, j'ai jamais dit que je voulais tuer Bébert. Je veux pas tuer Bébert. Mais je veux pas pourquoi le docteur vient de me voir en personne pour me dire ça. Bah, là-bas, je devais aller le voir. Colonel, peut-être vous l'avez trouvé ou pas le docteur, ou c'est celui qui est kidnappé? Non, celui qui est kidnappé, on sait pas où il est. Il était censé être avec le gouverneur. C'est bizarre. Et c'est sa femme, docteur Carter, qui nous a prévenu. Et par contre, c'est normal hein, que votre chauffeur ce soit un putain de narcotrafiquant, bordel. Vous avez vu l'article ou pas là, dans le journaliste là? Bah oui, j'ai lu l'article, oui, bah moi ça je sais pas. Hein. Moi, il m'a dit qu'il avait qu'une seule feuille et que c'est n'importe quoi, je sais pas quoi. Bah bien sûr, le type il se balade en cagoule dans le paletot avec des feuilles de cocaïne et c'est une consommation personnelle. Bah, j'étais pas avec lui donc je sais pas. Hein. Je sais pas s'il était cagoulé, ça genre. C'est vous qui l'avez arrêté. Hein. Ça fait un peu beaucoup là, je trouve. Hein. Beaucoup d'histoires là. Est-ce que vous voulez entendre le témoignage du docteur Carter? Ah, je veux bien entendre. Moi, je veux bien l'entendre, en tout cas. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire venir le docteur Carter dans le bureau du gouverneur, Geoffrey? Quel bordel. À vos ordres, colonel. Vous en pensez quoi, le chat, là? C'est chaud, hein. Colonel, à mon tour. Ah là 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 là. Quelle affaire encore, hein, quelle affaire. En tout cas, je vous invite à être plus attentif à qui vous recrutez, hein, parce que bon, l'autre jour, le colonel Castagna qui vous dit que vous recrutez des narcos, et là, votre putain de chauffeur, il se revendique après, chauffeur du gouvernement. Personne, hein, je sais même pas pourquoi il se revendique chauffeur, hein. Il y a juste une fois, il m'a conduit parce que j'étais blessé, mais après, j'ai recruté personne, je paye personne comme personnel. Hein. Bah le type, je lui dis, vous travaillez dans quoi? Il dit, je suis chauffeur du gouverneur. Bah du coup, je croyais qu'il fallait pas écouter Léon dit. Bah mais je vous ai appelé, bordel. Vous m'avez confirmé, c'est blague ou quoi? Bah je vous ai dit d'accord, mais parce qu'il m'a conduit une fois, mais après c'est pas mais mon Mais c'est personnel. Blague, vous m'avez dit mot pour mot que vous allez le licencier, bordel. Mais si vous le licenciez, oui, c'est si vrai, vous l'avez c'est recruté, plus une façon de parler. Bah après non, j'ai recruté personne, je paye personne. Mais moi je trouve que vous me prenez vraiment pour idiote, hein. Oui, j'ai l'impression aussi. Bon, docteur, bon, là, parlez. Docteur Carter est là. Docteur Carter, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît, là, avec Jack, là? Mais bien entendu. Jack attendait, du coup, avait appelé Jack le gouverneur, lui avait envoyé la position. On se situe à côté du mécanibar, derrière les serres, j'étais caché derrière les buissons. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose. Bingo, ça n'a pas loupé. Il est arrivé, avec une tête de taureau. En tout cas, j'imagine que c'est lui, vu qu'il est habillé de la même manière. Avec un autre gars, masqué, cagoulé, tout en noir. Ils ont menacé Jack d'une arme. Ils l'ont embarqué dans la fameuse et merveilleuse voiture du président. La voiture blindée. Mm-hmm. Mais vous allez vous balader dans le désert avec un masque de taureau, avec la voiture du président pour aller braquer des docteurs? C'est blague ou quoi, bordel? Moi j'en peux plus, bordel. Encore que j'étais au courant que vous faisiez des partous là, avec des masques et tout, que vous mettez des trucs dans le cul, j'en ai rien à foutre. Mais là c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette histoire? Et étonnamment, Jack s'est réveillé à l'hôpital. Donc tu vas m'expliquer exactement ce qui s'est passé, sale fils de pute. Par contre, déjà, tu vas me parler autrement, on va commencer par là. Deuxièmement, moi j'ai rien fait à ton Jacques, je sais pas quoi là. Bah, toi, tu peux m'expliquer. C'était quoi cette tenue? Étrangement, honnêtement, on était assez bien cachés, donc il fallait vraiment t'envoyer une position. Il te l'a envoyé. Ce n'est pas des manières de parler du gouverneur. Un peu de tenue, hein, madame. Je respecte le président, mais celui-là, je le respecte pas du tout. Bah, mais faites-moi un semblant, hein. Pour rappel, t'es clochard qui a fait du pole dance devant moi pour que je te file 1000$ pour que tu puisses atteindre ta place là. Oui, oui, et t'es celle qui est venue pleurer auprès de moi là pour savoir où qui a écrit l'article sur la corruption. Bite, alors, bon, on peut faire ça longtemps. Vous êtes pas là pour un concours de bites. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait de Jack là. Parce qu'apparemment, là, tout vous accuse. Hein. Vous êtes le seul à avoir le véhicule du président quand même. Oui, c'est vrai, oui, je suis le seul. Bah oui, donc... Je vais vous dire, oui, c'est moi, j'ai enlevé Jacques, je lui ai mis un... Bah, c'est pas moi, mais il y a une personne qui lui a mis un coup de crosse et il a fini au sol. Et c'est quoi l'histoire? Pourquoi ça? Pourquoi l'avoir kidnappé? Pourquoi l'histoire? Parce que depuis le début, il y a plusieurs personnes qui me suivent, je l'avais déjà déclaré. Ensuite, j'ai eu une conversation avec Jacques, oui, à l'hôpital tout à l'heure. Je sais pas si le médecin peut vous le confirmer, on s'est mis dans le coin de l'hôpital.
On a commencé à discuter, il me disait oui, j'ai des problèmes avec la milice, etc. Et après, bah, moi je suis allé le voir, parce que quand vous m'avez dit que moi j'avais dit que je voulais faire tuer le sergent, je sais plus c'est quoi son nom, Frankenstein, je sais que c'est faux, et la seule personne à qui j'ai parlé que j'étais énervé contre lui, c'était lui, donc j'ai voulu savoir ce qu'il avait dit. Il m'a dit oui, j'ai dit que tu voulais le faire disparaître, etc. Et du coup, bah, il a pris un coup de crosse d'un malentendu de mon ami. Mais donc, moi, là-bas, je voulais juste savoir pourquoi vous, là, est-ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que je fais de vous, là? Je vous enferme? Je vous arrête? Je vous fusille? Pourquoi faire? Moi, je vous le dis directement. Monsieur le gouverneur. Vous avez un truc à dire, madame Citoyenne? Vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes qui, vous? J'étais docteur Carter. Et vous êtes quoi, maintenant? Carter. Mais je n'en ai rien à foutre, c'est quoi ton travail? Parle-moi différemment, je te jure, hein, sinon tu sors d'ici les pieds devant. Pour l'instant, je suis mon Zibarienne, ça reste là. Ah, très bien. Bon, votre témoignage vous a été très utile, vous avez eu le version du gouverneur, après le reste, hein? Davaille, sortez d'ici là, bonne journée. Hein. Ça marche. À la prochaine, gouverneur. Ouais. Bon, et c'est quoi ce truc? C'est un recueil de scandales, bordel! J'ai que ça à faire, moi, d'avoir tous vos scandales, hein. Entre vos chauffeurs de merde qui fait du narcotrafiquant, vous qui soulevez un pauvre type, et vous êtes tellement mauvais que vous faites attraper. Et derrière cette histoire avec mon sergent, vous avez failli lui pisser dessus, bordel! C'est quoi ces histoires, là? C'est une blague. Bah oui, je me pose les mêmes questions, oui. Pardon, vous posez les mêmes questions, c'est vous qui êtes responsable! Bah, responsable pour l'histoire du sergent, absolument pas. Après, là, apparemment, il y a des vous avez voulu lui pisser dessus, bordel! Bah, il a voulu me tabasser, donc... Il a été puni pour ça. Devant vous. Hein. Bah, d'accord. Et sinon, pour l'histoire de Jacques, je veux juste savoir... À la base, je voulais juste savoir pourquoi une personne commençait à dire des mensonges sur moi, à dire que je voulais tuer des gens alors que je veux tuer personne. Moi, je vais juste dire sauf qu'on vous a jamais dit qui c'était, hein. Donc c'est que bah oui, il n'y a qu'une seule personne à qui j'avais parlé. Ah oui, mais c'est donc bien, vous l'avez bien dit, justement. Bah non. Je lui ai dit que j'étais énervé contre Bébert. Je lui ai dit que si, de ce qui s'était passé tout à l'heure, moi aussi je voulais le taper. Et c'est la seule chose que j'ai dit. C'est bizarre, ouais, parce que lui, il a dit que vous vouliez le tuer, et derrière, vous le kidnappez. Donc bon, c'est excusez-moi, votre crédibilité est proche du néant, là, bordel. Ah bah là, oui, plus que le néant. Vous faites face à deux professionnels de la criminalité, de l'illégalité, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous endormir, ça marchera pas. Bah, j'essaie pas de vous endormir, moi, je dis juste la vérité depuis tout à l'heure, donc après... Oui, bah si, vous essayez de vous endormir. Sauf que moi, j'ai plus 6 ans, et m'endormir avec des chansons, ça marche plus, moi. Après, qu'est-ce qu'on va faire alors? Attendez. Moi, c'est... On je sais pas ce qu'on va faire de lui. D'accord. Je vais. Je peux juste faire une petite sieste sur le divan. Je peux plus manger. Oui, vas-y. Ah, très bien. On n'a pas terminé là. Je profite de cet aparté pendant qu'il dort là. Oui. Je te vois venir là. Arrête de ser agressif. Hein. On va pas l'emmener dans le désert, bordel. Ah, pourtant il mériterait. Hein. Je sais pas trop. Je sais bien qu'on va pas le faire, mais bon, il faut lui mettre un coup de pression là. Ah, on lui met un gros coup de pression, mais moi je préfère que ce soit les. J'ai pas envie qu'on passe encore pour les mauvaises personnes, oui, tu vois. Oui. Bon, mais je vais, t'as vu comment les gens ils aiment pas là déjà, avec tous les taxes, les conneries. Moi j'ai parlé aujourd'hui, journée du général et colonel là. Tous les citoyens ils veulent le dégager, bordel. Ouais, ah ouais, on va laisser les citoyens s'en charger. Bah voilà. Mais là, moi, je suis à bout, j'en ai marre de. Ouais, on lui prend du fric, en attendant. On lui prend du fric, comme ça, s'il meurt. Là, moi, j'en ai marre que les miliciens prennent dans leur gueule. Hein, parce que la dernière fois, c'était une recrue, après, c'était un soldat, là, maintenant, c'est un sergent. Il y a eu vous aussi, hein, en général, là, ils s'en sont pris à vous aussi. Donc, la prochaine fois, c'est qui? Bah, je mettrai les choses au clair avec ça, et derrière, on lui prend du fric, là, et je suis sûr, moi, que dans une semaine ou moins, on le retrouve dans un caniveau à ce rythme. Hein. Bordel. Et ton Frankenstein là, tu veux que je mette le temps, cet abruti tape le gouverneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un truc comme ça là? Bah il a eu raison en même temps. Bah mais il a pas à faire ça. En tout cas il avait pas à être repris. Hein. Oh bah ouais c'est... On a rien vu. Hein. On a rien vu. Vous pouvez le voir, de toute façon je vous ai dit que c'était moi qui l'avais kidnappé. Ah c'est vrai. Ouais mais bon, on a rien vu. On a rien vu. Hein. Oui. Attendez, bon, je m'éloigne juste du coffre. Ah très bien.
Bon appétit. Hein. Oui, merci, oui. Bon, moi je vais être honnête avec vous, monsieur le gouverneur. Le jour où je suis allé dans l'hôpital, là, dans ce putain d'île, là, j'ai cru que jamais je pourrais trouver meilleur cirque. Mais depuis que je suis arrivé dans votre bureau, là, ça dépasse tous les records. Plus j'en apprends, plus je me dis c'est quoi ce bordel. Je vais vous dire juste un truc sur le milice. Le milice, c'est le milice du président. Le milice ne fait qu'un. Vous pissez, vous frappez un milicien, vous frappez tous les milices. Je vois pas votre... En plus, je comprends pas vos intérêts à devoir vous mettre à dos le milice, d'accord? Moi, non, je vous ai mis un soldat... Silence, hein. J'ai pas terminé. Je vous ai mis un soldat pour vous protéger. Je vous ai escorté une fois pour vous donner crédit, etc. Je vous ai rendu certains services. Et derrière, apparemment, d'après certaines personnes, vous crachez sur mon dos, vous crachez sur le milice, vous les pissez sur le milicien. C'est quoi ce bordel? Bah, j'aimerais bien savoir qui sont ces personnes, parce que, à part à l'embrouille que j'ai eu avec Bébert tout à l'heure, j'ai aucun problème avec la milice, donc... D'accord, très bien. Votre parole aujourd'hui, je vous l'avoue, moi je la trouve moins crédible qu'il y a quelques jours. Donc je vous dis juste un truc. Le milice, c'est le milice. Si j'entends encore une histoire, là, comme quoi vous crachez dans notre dos, comme quoi vous crachez sur des miliciens, que vous foutez de mon gueule, mais que dans mon dos ça y va, là, on va se revoir, bah, mais pas du bon manière. Hein. Bah, si vous voulez. Comment ça, si je veux, bordel? J'ai jamais fait ça, donc... Moi j'ai du mal à vous croire, je vous donne juste un avertissement là-dessus, la milice c'est pas votre jouet, c'est pas des personnes à vous mettre à dos et derrière cracher sur nous. Oui, bah sur ça vous avez raison, c'est pour ça que j'ai jamais craché sur personne de la milice, le seul problème que j'ai c'est Bébert. Mais je vous crois pas, j'ai des miliciens qui viennent me voir. Silence, j'ai des miliciens qui viennent me voir, ils sont des soldats, des recrues, ils vous connaissent pas, ils viennent me voir, ils me disent que lorsqu'ils font le salut militaire, et vous leur dites de faire le toutou. De quoi? Oh, il y a une personne et il m'a dit dis-moi. Alors, c'est vrai, c'est pas mensonge. Il y a une personne, elle faisait le salut milicien, elle me dit dis-moi de faire dodo. Je lui disais dodo et il tombait par terre. Il aimait que je lui fasse à chaque fois. Et quoi, après on m'a dit faut pas le faire, c'est un manque de respect. Et c'est qui ce recrue, ça? Je sais plus, c'était un. Je sais pas. Il faisait ça tout le temps et à un moment il a fait ça devant un de ses le supérieur. Il lui a dit faut jamais faire ça et depuis ça s'est pas fait. Mais c'est date d'il y a plusieurs semaines, ça déjà. Bon, très bien, moi je m'en fous, mais je vous dis juste le message, il est clair, je vous avertis, arrêtez de cracher dans notre dos. Si vous me dites vous le faites pas, je n'ai rien à foutre, je vous le dis, moi je vous crois plus. Je vous crois plus, et si jamais j'entends encore des bruits de couloir, des conneries, je reviens vous faire un tour dans votre bureau. D'accord. Et ce sera moins amical qu'aujourd'hui, hein. Maintenant, on fait quoi pour votre chauffeur? On fait quoi pour le fait que vous frappez miliciens, là? On fait quoi pour toutes ces histoires de kidnapping, là? Oui, kidnapping aussi, oui. Ça nous coûte cher en paperasse, hein? Oui. Ouais. Bah, je vous apporterai les 12 000 dollars tout à l'heure. Qui ça? Vous? Bah oui, moi. Les 12 000 dollars? Qui a dit que c'était 12 000 dollars? Bah, moi. Et pourquoi? Pourquoi ça, bah, vous êtes au courant de nos frais de dossier? Vous savez comment ça coûte de déplacer un roquette de l'étage A à l'étage B? Bah non, je sais pas, je vous ai proposé une petite somme. Dave, vous l'avez dit vous-même, c'est petite somme, hein. Pour gouverneur, kidnapping. Un chauffeur qui fait du narcotrafic alors qu'on a négocié, on a déclaré une guerre contre le narcotrafic. Et en plus, il y a tout le ville qui est témoin de votre kidnapping, bordel. Et tout ce que vous me dites, c'est 12 000 dollars. 12 000 dollars, je m'achète un coton-tige avec sur cette île. Vous n'avez aucun argent, monsieur le gouverneur. Bah non. Et comment c'est possible, bordel? On vous a fourni une voiture, vous avez les taxes des entreprises là, et vous n'avez que 12 000 dollars. Vous n'avez même pas de pantalon, mais vous n'avez pas de quoi payer pour vos amendes. Bah non. C'est vraiment médiocre. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me donner 10 000 dollars aujourd'hui là. Et vous avez 3-4 jours pour nous donner 10 000 dollars de plus, là. C'est clair? Bah, d'accord, oui. Voilà. Et nous, en contrepartie, on oublie ce qui s'est passé. Et on repart, oui, sur des bonnes bases. Le sergent Frankenstein, là, il est semi-soldat, là. Vous savez ce que ça coûte pour un militaire de se faire rétrograder? Bah, non, je sais pas. C'est comme si je lui avais coupé 2 cm sur son kiki, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, oui, je vois. Donc, croyez-moi qu'il l'a mauvaise, d'accord? Ah, on attend votre argent. Qu'il se venge. Il se vengera pas parce que c'est un milicien, il va obéir, il va écouter. Ouais, bon, pas comme mais, tout à l'heure. Mais vous,
Non mais table rase, on l'a dit, donc arrêtez maintenant gouverneur, parce que sinon c'est moi qui vais m'énerver, d'accord? Alors, on a dit table rase. Votre façon de me répondre me déplaît fortement. Bon, c'est bon, on part sur de bonnes bases, hein. Très bien. Merci. Bordel. 12 000 dollars, bordel, il est gouverneur, au secours. Bah oui, oui. Il a une voiture blindée à un demi-million, et ce tocard, depuis qu'il est gouverneur, il a réussi seulement à se faire 12 000 dollars. Un gouverneur qui est pauvre comme ça, c'est un mauvais gouverneur, je te le dis, moi. T'imagines si toi et moi on était gouverneur, on serait riche déjà là. Ah mais putain, mais moi c'est, tu sais ce qu'il a, ce qu'il, l'argent qu'il a, c'est ce que je me fais en 2-3 heures. Normal, bah c'est ça. D'ailleurs vous avez vu qu'il y a 250 000 dollars hein, dans les comptes. Hein. D'accord, tu as ajouté les 10 000 dollars. Mais il y a 250 000 en tout. D'accord. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a ces 100 000 dollars à lui, plus les 50 000 de l'autre là. Ouais. Et là il faut que je dépose encore 10 000, ça fera 260 000. D'accord. Et par contre, je te jure, vraiment, veille à ce que l'autre abruti de Frankenstein, il se tienne à carreau. Hein. Il va se tenir à carreau. Déjà, je lui avais dit de se faire tout petit. Là, il s'est fait tout petit toute la soirée. C'est encore le gouverneur qui l'a fait chier. Hein. Mais non, il se fait tout petit. Hein. Il cherche pas la merde. Hein. C'est vraiment. Hein. En plus, il bosse beaucoup. Il est sur plusieurs enquêtes. Ça me fait chier qu'il soit rétrogradé. Il bosse vraiment bien. Hein. Bah, c'est temporaire. C'est pour sa bonne figure. Ouais, c'est temporaire. Ouais, pour faire bonne figure. Attends, je demande l'autorisation. Ici Billy. Mais bon. Soldat. Pour amener le gouverneur à la fourrière, c'est bon ou c'est pas bon? Mais pourquoi il va à la fourrière? Et qu'est-ce que tu racontes là, bordel? Eh ben, c'est le gouverneur qui me demande de l'amener à la fourrière pour chercher sa voiture. Ah, pour qu'il aille chercher les sous. Bah vas-y, fais-le. Oui, et tu nous le ramènes ici après. Bah, mais ton Frankenstein là, il est dans plein d'histoires, j'entends son nom partout. Et forcément, au bout d'un moment, il va se faire des emmerdes. Justement, si t'entends son nom partout, justement parce qu'il remue la merde partout. Et qu'il a tout le temps plein d'informations, et parce qu'il bosse bien, justement. Hein, quand on commence à parler de quelqu'un, c'est justement parce qu'il se fait connaître et parce qu'il bosse bien. Bah, je suis d'accord. Mais tant mieux, c'est pas grave. C'est des autres, du coup, il passe pour un con, je m'en fous. Lui, ça le fait réfléchir à être plus subtil. Et comme ça, bah voilà, voilà. Je vais pas laisser un gouverneur se faire frapper par un sergent, et le sergent, il a rien du tout, c'est pas normal. Ouais, mais bon. Il avait mérité, le gouverneur. Bah, il s'est fait frapper. T'as vu comment il répondait, Frankenstein? Peut-être que toi ou moi, on peut lui parler mal à l'autre, mais le sergent, il n'a pas lui parlé comme si c'était sa pierre. Oui, c'est sûr. Ah putain, il faudrait que je me souvienne que j'ai un téléphone avec des messages, moi. Merci à Gitonox pour tes 5 subs à la confrérie. Confrérie! Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à toi. Comment tu vas? Merci à toi. Merci encore pour tous ceux qui me soutiennent. Vous aimez le roleplay ou pas? Vous aimez ce serveur? Vous aimez mon stream? Est-ce que vous m'aimez moi? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez mon stream? N'hésitez pas à follow la chaîne, s'il vous plaît. Je viens de débuter sur Twitch. Je cherche à me faire des contacts pour faire des collabs sur Among Us. D'accord? J'adore les jeux vidéo. Oh là là, ils sont passés à s'arrêter, ça m'a arrêté ces messages. Hein. C'est qui t'envoie un message? Oh bah plein de monde. Colonel, est-ce normal que l'on paye 435 dollars pour 3 burgers et 3 coca? Bah, j'en sais rien, moi je suis pas restaurateur. Ah, il t'appelle. Est-ce normal, colonel, si on paye 300 dollars pour des burgers? Non, mais, là, mais c'est le gouverneur qui de... Mais tu vois, c'est ça que le gouverneur il devrait gérer comme histoire. On s'en fout de ces histoires. Ouais. Regardez, on reçoit des SMS de gens qui se plaignent que les burgers coûtent trop cher. C'est pas notre ligne directrice, ça, nous. Oui, ça sera vous qui gérez ça, pas moi. Hein. Oui, faut que les gens viennent me voir. Hein. J'arrête pas de recevoir des plaintes à ce sujet-là. Mais dealer, allez voir le gouverneur, bande d'abrutis. Bon, je suis là. Oui, attendez. Et je vous répète, table rase, il n'y a plus d'histoire avec Frankenstein. Il manque un dollar, mais je sais pas pourquoi il est plus là. Pas grave, je m'en fous. Bah, il n'y a plus d'histoire, mais bien, quand je suis descendu et que je suis passé, il m'a quand même dit tes jours sont comptés, donc table encore rase. Bah là, à l'instant, là. Colonel, bordel. Moi, je veux bien faire table rase, mais j'ai pas trop envie de mourir. Bon, je le reviens encore.
Il a encore menacé de mort le gouverneur, cet abruti. Ouais, moi le gouverneur, j'ai du mal. Il dit moi le gouverneur, j'ai du mal, il comprend rien. J'en peux plus, putain. Ah là 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 là. Où est-ce qu'il est Frankenstein hein? Il est où Bébert là? Il est dehors, il fait le périmètre de sécurité. Super. Bon, on va pas le confronter avec vous tous les journées, hein. Bah oui, bah moi je veux bien faire table rase, mais je veux bien ne pas avoir de menaces. Il a faire table rase, je vous le dis qu'il a faire table rase, d'accord? D'accord, oui, bah je vous bon, fais on vous laisse travailler, hein, passez bonne journée. Hein. Allez, va patrouille, en voiture. Bébé, en voiture. Ça te suffit pas la bordel, reviens ici là. Je t'ai rétrogradé et tu es encore en train de le menacer de mort. Mais je l'ai pas menacé. Mais... Il dit que tu lui as dit que ses jours étaient comptés, bordel. Mais général, vraiment, vous le croyez? Non, je ne le crois pas. Dis-moi la vérité, bordel. Mais je vous jure, il fait tout pour que j'ai des problèmes. Et il le fait pas qu'avec vous, il le fait avec beaucoup de citoyens en fait. Mais dis-moi la vérité, j'ai du mal à te croire. Général, je vous promets, je vous ai tout avoué tout à l'heure au mécanibar, je l'ai sabaté. Je voulais avouer. Mais voilà. Tu parles c'est tout bas, je pense que le grognasse, elle entend nos histoires. Oui, je parle tout bas. Le tu viens le pas colonel... de le menacer de mort là maintenant, là, tu mais me non, promets là. Le colonel m'a demandé de me faire tout petit ce soir. Je vous promets que j'ai rien fait. C'est lui qui me provoque par message. Non, etc. Je te le dis tout direct. Tu as intérêt d'être exemplaire dans les prochains jours, c'est clair. Mais j'essaye de l'être, général. Et si tu es exemplaire, peut-être que tu peux espérer retourner sergent. Mais je te le dis, je veux de l'exemplaire. J'en ai marre d'entendre parler de toi partout, tout le temps, là. Aujourd'hui, t'as été trop loin. Un gouverneur, tu es sergent, tu frappes un gouverneur. Allez, tire-toi, là. Va méditer là-dessus, là, bordel. Bonjour, général. On peut vous aider, bordel. Hein. Priviat. D'accord. Bonjour. Du coup, je voulais voir pour des papiers, éventuellement, donc je vais... Si vous voulez bien, je vais rentrer du coup. Allez-y, hein, passez bonne journée. Hein. Bonjour, bonne journée. Au revoir. Ras-le-bol, putain, que des gamins, bordel. Qu'est-ce qui vous arrive, général? Allez, mon patrouille, là, on s'éteint. Ce qui m'arrive, c'est que c'est des enfantillages de merde. Et bon? Et le gouverneur, là, c'est un tocard, putain, j'en ai marre. Hein? Mais alors, c'est tous du coup, des comment... tocards, ils m'énervent tous, j'en ai marre. Chavali, sergent, de quoi je vais tuer tout le monde un jour, hein. Ah bah, je serai là pour vous aider, général. Ah bon, c'est vrai, on a le droit de tuer tout le monde maintenant. Bah toi, je sais pas trop, hein. Toi, tu as le droit d'obéir et de fermer ton gueule, hein. Ah, ça peut être un premier ordre, effectivement, puis général. Bah alors, là, tu as passé une bonne journée, là, t'as vu, il fait nuit, on rentre au quartier général, tu as appris des choses aujourd'hui? Ah oui, j'ai appris des choses, hein, grâce à mon confrère, juste à côté de moi, hein, monsieur Jean-Louis. Oui, bien sûr, je lui ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur la milice et sur le c'est comportement. Vrai. Exactement. Oui, bien sûr. Non. Mais sergent, je sais pas pour toi, hein, mais franchement, là, le Jean-Louis, là, il a l'air moins médiocre que ce que je pensais, hein. Ouais. C'est juste qu'il parle peut-être un peu trop parfois, mais sinon il se débrouille bien. C'est pas grave, merci c'est beaucoup. Grave. Oh non, c'est pas trop grave. Mais je préfère un recrue qui parle qu'un recrue robot qui pue le merde. Oui, je vois ce que vous voulez. Après, Jean-Louis, si toi tu fais des bons travails au bon moment, ça me dérange pas que tu sois abruti. Oui, ouais. Y a qu'à voir, c'est comme Billy. Hein. C'est vrai, ouais, il fait bon travail Jean-Louis ou pas quand il est en opération? Ah non, c'est la première fois que je patrouille avec Jean-Louis, je peux pas trop dire encore. J'ai capturé des criminels avec Thiago, c'est moi qui conduisais la voiture. C'est vrai? Oui, je vous garantis. Combien de temps tu es dans le milice, toi, Jean-Louis? Bon, ça fait 2 semaines, mais je suis jamais là le soir. Du coup, c'est pour ça c'est un peu compliqué pour faire mes preuves, vous voyez. Là, je comprends. Mais là aujourd'hui, tu es le soir. Oui, bien sûr. Depuis une semaine, là, je suis là le soir pour essayer justement de vous montrer ma valeur. D'accord, et là on est où par rapport au Yellow Jack là? Bon, attendez, parce que. Bah, par rapport au Yellow Jack, nous sommes au. C'est
sur l'autoroute Highway en direction de Paleto. À l'ouest, oh non. Bon, bah, c'est là où je viens. À l'est, à l'est, bon, à l'est. Ferme ton gueule, ferme ton gueule. Tu vas rester recluse toute ton vie. Toute ton vie, tu vas rester recluse. Tu as bois à rien, bordel. Tu ne sais pas lire la carte, tu ne sais pas utiliser boussole. Si, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. J'ai été stressé. Je suis stressé, rien du tout, tu es abruti. Bon, si vous voulez aussi, oui, bien sûr, hein. Le highway, autoroute, direction Paleto, abruti, on sort de Paleto, on va au quartier général. Oui, mais vous m'avez dit là où on était. Et pourquoi alors tu dis là où on va, si je te dis là où on est? Et du coup, on était à l'est du Yellow Jack, hein. Bah voilà, exactement, c'est tout. Bah, c'était la réponse que j'attendais, hein. Bah sur l'highway à l'est de Yellow Jack, c'est ce que j'ai dit. Niette, tu étais à l'ouest, on pas dit. Bon bah autant pour moi, pardon. Mon élocution. En tout cas, c'est un point pour la recrue Ben Chouchan qui a donné la bonne réponse. Bah c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est bah, pas bon, pour aujourd'hui le de promotion, hein, Jean-Louis. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. J'essaierai la prochaine fois, j'espère que ça ira. Bah j'espère pour toi. Bon, nous devons aller sur le drapeau. Bah aller sur le drapeau. Pour les miliciens sur base, aller sur le drapeau, là. Je disais, les miliciens sur base, allez sur le drapeau. Coucou trafiquant en phare avec une cargaison. Ah, général, vous avez vu le dernier message? Ah, j'ai vu, mais c'est toujours les mêmes putains de poucaves à la con, bordel. On prend pas en compte. On n'est pas à chaque fois les femmes de ménage de tocage. Oui, qui étaient bien d'un, exactement. Hey, non, vous en occupez pas, vous faites un retour base. Oh mon dieu! Bon, Jean-Louis aujourd'hui, il était pas trop mal. Jusqu'au moment où je lui ai demandé de faire une petite épreuve de boussole, hein. Mais il confond son est avec l'ouest, il confond tout, c'est un abruti, hein. Bien sûr, je suis navré, hein. C'est une navré. Et j'ai regardé aussi le soldat là qu'on a promu tout à l'heure. Parce que lui, c'est pareil, hein. Le boussole, il connaît pas. Hein. Quel soldat? Le soldat truc Castagnac là. Nicolas? Il comprend rien, il a tout saboté l'opération contre le narcotrafiquant sur cocaïne. Il est pas foutu de nous dire où est le camion. Il est pas foutu de noter où est le suspect. Et après, je lui demande, ok, on est où? Je sais pas trop. À l'est de l'ouest, à l'ouest du contre-courant, enfin bref. Je lui dis, dans le semaine, tu me reviens me voir, tu me dis, général, j'ai appris à utiliser boussole, je te remets soldat. Donc j'attends qu'il vienne me voir. D'accord. Ok. Oh, très bien. Parfait. Et Jean-Louis, donc lui, il s'est passé vers une boussole? Niet, il sait pas du tout. Bon, mais Jean-Louis, au début, quand même. Je me disais, tu sais, il est comme Billy, tu vois. Peut-être que lui en opération, on pourrait compter sur lui, hein. Mais pas du tout, hein. Lui, boussole, lui, d'avoir dans le cul. Hein. Ah non, Billy, quand même, oui, il sait gérer ça. Ah, Billy! On l'entend pas. On l'entend pas trop. Évidemment, pour une fois. Oui, pour une fois, peut-être, oui. Peut-être que tu peux apprendre à Jean-Louis comment utiliser boussole, entre abrutis, là. Vous allez parler le même langage. Vous pensez? Bon, après moi, je Billy, hein. Il m'a niqué ma stéréo. Et par contre, le nouveau recrue là, prometteur. Hein. Le Abraham Lincoln, là, le Abraham Boussole, il maîtrise. Très bien. L'américain. Péruvien. Pardon, c'est américain. Ah, péruvien. Ah oui, il faut que je confonds avec le vénitien. Oui. Et mon colonel. Bon, ben c'est bien. Si, il faut savoir utiliser une arme et c'est lire une boussole, c'est déjà pas mal. Il faudrait que Jean-Louis il ait l'arme et l'autre il ait le boussole. Oui, c'est ça. À deux, ils vont peut-être faire un bon soldat à deux. Hein. Bah. C'est un combo. Mais par contre, le radio, les deux là, nul. Hein. Faudrait un troisième qui s'occupe de radio. Hein.
Du coup, on arriverait à faire une patrouille complète, général. Bah, c'est ça. Bon, bah, toujours à toi, hein. Ok. Bon, y a qui part en patrouille, là, qui veut faire des patrouilles, là? Qui c'est qui tourne, là, encore? Bon, moi, je vais vous laisser, je vais me reposer, hein. J'en ai marre de ces enfantillages, là. Je reprendrai service demain, je te laisse gérer, colonel. Oui, ça marche. Dormez bien, général. Au revoir, au revoir, général. Bonne nuit. Bonne nuit, général. Bonne nuit, Jean. Si vous me permettez. J'allais oublier. On m'a principalement embauché pour ramener de l'argent, justement, à la ministre. Et du coup, j'ai effectué ça pendant que vous étiez en train de discuter avec le gouverneur. Oui, à demain, c'est ça. D'accord. Il y a eu un généreux donateur, alors il a donné ce qu'il a pu, mais je me suis dit que ça vous ferait plaisir après ces enfantillages. Hein. C'est vrai, peut-être. Hein. Tu veux me donner quoi, là? Un peu d'argent, hein, tout ce qu'il a donné. Ah, très bien. Voilà, c'est pas beaucoup, mais je me suis dit que c'est mieux que rien. Oui. Ah, tu as l'air d'avoir de l'avenir, toi. Hein. Oui. Passe bonne journée. Vous voyez pas. Merci à vous aussi, reposez-vous bien. Vous êtes tous sur dessus, là, comme ça, là. Oh, vous êtes cru à l'armée du salut. Bon, vous en pensez quoi de ce stream? On a streamé 5 heures ce soir. C'est pas mal, non? 5 heures de stream aujourd'hui, ça vous plaît pour mon retour? Je te remercie en tout cas, Gitonox, pour tes 5 subs offerts. Je remercie Kimikapi pour son énorme don tout à l'heure, merci à toi. Je remercie tous les Punzor qui m'ont soutenu aujourd'hui, Trapzor, ça me fait rire également. Merci à vous. Écoutez, j'ai été très heureuse ce soir de vous retrouver. C'était très fun, on a eu pas mal d'RP ce soir. La confrérie doit s'étendre. Soyez témoins! Que ça me fait rire, et le colonisateur de la confrérie ce soir, merci à toi pour tes 20 subs offerts, merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup, mon fier Punzor. Écoutez, c'était cool, voilà. Et puis, on se reverra demain. Demain, je ne sais pas à quelle heure je vais lancer mon live. Si vous voulez connaître en détail les jeux auxquels je joue et mes horaires, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Discord, Instagram. Je vous rappelle que j'organise un giveaway où je vous fais gagner le jeu de votre choix. Le lien est dans le chat et dans la description de la vidéo sur YouTube. D'accord ? J'espère que vous avez apprécié ma nouvelle façon de faire sur mon live avec les pauses et tout, etc. Avec les best-of, etc. J'essaye de faire des trucs stylés et tout. Et je m'applique et tout. Hein. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et en tout cas, ce n'est que le début. Vous verrez, je vais essayer de bien tout changer tout avec le futur logo, la direction artistique, etc. Et voilà. On a du bon RP ce soir, c'était fun. De A à Z, on a eu que des interactions. J'étais contente. Demain, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lancer, mais je vais streamer dans tous les cas en fin d'après-midi, début de soirée. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de streamer le plus tôt possible. D'accord? Et puis, voilà, on continuera nos aventures. On a pas mal de choses à faire. Oui, merci beaucoup, il y a de quoi être fier de vous, évidemment. Merci, c'est gentil, Geeker. Et c'était fun. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragé sur mon chat. Je rappelle également qu'on est en septembre, c'est le September. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous voulez me soutenir, c'est le moment ou jamais. Les subs coûtent beaucoup moins cher que le reste de l'année. Il y a des grosses promotions, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas également du coup que l'argent sert aussi à développer le serveur. Le serveur coûte assez cher. Voilà, et j'espère en tout cas que... j'aurai toujours de quoi le payer, le développer, etc. Le payer, je pense, je m'inquiète pas trop, mais le développer, ça revient vite cher. J'ai quand même mis bien le paquet, mais là, fin d'année, je vais déménager, j'ai pas mal de choses à faire, donc... Donc voilà, c'est Carello, je ne répondrai pas à ta question, je suis sponsorisé par Corsair. Hein, donc si tu veux connaître le détail de mon setup, n'hésite pas à regarder en bas sur ma chaîne, d'accord? Et puis, sur ce, je vais vous laisser, et je vous souhaite une bonne fin de journée, loué sur la confrérie. Confrérie! C'était votre suprême leader, terminé.